Salut à tous, la team OL, Thomas Show et toute sa bande de chroniqueurs et un invité exceptionnel ce vendredi dans OL Live TV, monsieur Frédéric Piquionne. Comment ça va, Fred? Bonsoir à tous. Ça va. Au finé, mais ça va. Fred Piquionne, c'est le premier ancien joueur de l'Olympique Lyonnais à venir dans cette émission et à venir sur cette chaîne. Je tiens à le noter, donc merci beaucoup Fred. Fred, avec plaisir. On s'était déjà vu, alors je ne sais pas si tu te souviens de moi, on s'était vu au Salon de l'Auto de Paris 2014, je t'avais croisé, et puis on avait fait une interview. On avait fait une interview avant Lyon-Leipzig l'année dernière sur cette chaîne. D'accord. Tu étais là avec RMC. Ok, c'est super. Voilà, donc c'est de retour sur cette chaîne finalement, Fred Piquionne. Je présente avant toute chose notre équipe du soir avec monsieur Coutinho. Comment ça va, monsieur Coutinho? Ben écoute, très bien, très, très reposé après le match de Lille et en forme pour Saint-Etienne. Ah là 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 là, monsieur Jordan Ménès, sosie officiel de Kev Adams, comment ça va? Ben écoute, tu vois, ça va la forme. On approche du derby, la pression commence à monter, ça sent la poudre, les Gouns. Oula, pas trop d'allusion à des choses illicites. Oula, non, pas du tout. Monsieur Julien Le Gonne, il n'a pas sa langue dans sa poche. Comment ça va, mon Julien? Bah content, Ménès, Riolo, Piquionne, c'est bon ça, c'est pas mal tout ça. Ça fait la classe un peu là. Et ouais, c'est la classe à Dallas. Et on va commencer tout simplement avec le CV de monsieur Fred Piquionne. Il y a des choses à dire, Fred. Franchement, ta carrière a été assez exceptionnelle. Alors, on va dire ce que tu fais en ce moment. Tu es consultant sur RMC, RMC Sport. D'ailleurs, on a pu t'entendre sur plusieurs matchs, notamment de Ligue des Champions. Alors, il y avait le Real que tu as commenté. Je crois que tu as commenté Rennes aussi, c'est ça, il me semble. Hein. Ouais, mardi soir. Ouais. Voilà. Le Real Inter, ouais, c'était sympa. C'est ça, voilà. On t'a vu. On va repasser un petit peu sur ton CV et discuter un peu avec toi de ta carrière, de tous les gens que tu as pu côtoyer. Alors, tu es né le 8 décembre 78. Tu sais qu'à Lyon, le 8 décembre, c'est une petite valeur quand même chez nous, donc c'est pas mal. 8 décembre 78 à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Alors, tu as été formé au Paris FC, mais tu as quitté très vite. C'est un bien gros mot. C'est vrai ? C'est un bien gros mot parce qu'en fait, j'ai commencé petit, moi, de 6 ans à 15 ans, j'étais à Charenton, dans un club plutôt amateur. Ouais. Et ensuite, de 15 ans à 18 ans, je suis parti au Paris FC. Ouais. D'accord. Et oui, donc tu es parti au Paris FC. Entre 18 ans et 21 ans, je jouais en fait en Martinique. C'est pour ça que je C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Tu t'es installé en Martinique, à Fort-de-France. Tu as joué au football en division d'honneur comme amateur au Golden Star de Fort-de-France. Ouais. Et ensuite à la JS Morne-Blanc, le Diamant. Enfin, plutôt avant. JS Morne-Blanc avant et après à Fort-de-France. Parce qu'en fait, j'habitais le Diamant. Et donc, d'accord. Quand je suis rentré en Martinique, toute ma famille est du Diamant. Et donc, je me suis inscrit dans le club de ma ville. Pour connaître un petit peu le championnat que je ne connaissais pas du tout, tu vois. Et tu es international martiniquais. Ouais, ça aussi, c'est un bien grand mot, puisque international. Je suis en sélection de Martinique, oui. J'étais en sélection de Martinique, quand même. Ouais. Alors, bon, tu t'es fait remarquer quand même là-bas. Tes bonnes prestations t'ont orienté vers le Nîmes Olympique. Alors, le club te recrute lors de l'été 2000 et c'est ton premier contrat professionnel chez les Crocos. Ouais, c'est l'année en fait où on a pu obtenir en fait plusieurs contrats, plus de 25 contrats pro. Et donc, ils m'ont proposé un premier contrat pro d'un an à la charte, quoi. Donc, j'ai tout de suite accepté. Tu m'étonnes. Ouais, donc tu as fait une très belle saison d'ailleurs, ta première en Ligue 2. Et ça te vaut ça un passeport pour la Ligue 1 et surtout le Stade Rennais. Où là, tu commences ta saison. Ouais. 2001-2002, première saison au Stade Rennais. Elle est difficile, cette saison. Tu marques que 3 buts. Bah ouais, elle est difficile parce que, tu sais, 2 ans avant, j'étais dans le milieu amateur. Donc, je fais une saison à Nîmes. À Nîmes, malgré tout, je fais que 6 bons mois puisque c'est qu'à partir de janvier que j'ai commencé à jouer. Avec Mika Pagis qui était dans les rangs et donc c'était difficile. Arthur Moses, Mika Pagis, c'était la doublette de Nîmes Olympique à l'époque. Oh là là, Pagis, des bons souvenirs. Fait frayer un petit chemin. Dur de faire son trou. C'était assez difficile. Et après, pareil, quand je suis arrivé à Rennes, Monterubio, Lucas,
c'était pratiquement impossible aussi de Cyril Chapuis qui avait fait les meilleurs buteurs. Cyril Chapuis, évidemment. Et donc, voilà, j'étais quatrième, voire cinquième attaquant. Et donc, pour se forger aussi au monde professionnel, on m'a foutu en réserve. Et ouais, et tu exploses. Pareil. Et tu exploses en 2002-2003, la saison suivante. C'est le nouvel entraîneur, un certain Vahid Halilhodžić, qui décide de donner ta chance. Et d'ailleurs, vous évitez la relégation cette année-là et tu marques 10 buts. Ouais, pas mal, Vahid. Alors, ton avis sur le coach Vahid ? Trois ans après, je marque 10 buts en Ligue 1, ouais. C'est pas mal. Ouais, et coach Vahid, alors, il est comment ? Très, très dur. Mais, c'est l'image qu'on en avait, tu vois. Moi, j'avais jamais connu ça. Hein. C'est un truc de fou. En fait, dès qu'il est arrivé, il nous a dit « Vous n'êtes pas physique, pas prêt. » Et le mardi, tu avais déjà tout compris. Le mardi matin, on a fait un entraînement, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'en ai jamais fait des comme ça. Mais non. Ouais, je t'assure. Et en plus, le mec, c'est pas qu'il délègue et qu'il fait les entraînements, et en plus, il est au plot. Donc, quand tu cours, si tu n'arrives pas à la bonne vitesse et à la bonne seconde au plot, c'est chaud, quoi. Tu vois ? Oh là là, donc coach Vahid, fidèle à sa réputation. Il a bien cravaché, mais finalement, la saison après, ça lui a donné raison. Parce que même, je me rappelle que le 31, on était en train de courir dans un château vers Nantes, là-bas, où il nous avait mis en stage. Et après, le premier après-midi, pareil. Donc après, ça lui a donné raison, puisqu'on a fait une bonne seconde partie de saison. On s'est sauvé, et puis voilà, c'est ce qu'il fallait pour le Stade Rennais. Exactement. Comme quoi, à l'époque ça courait en Ligue 1 quand même aux entraînements. on courait vraiment énormément. Et puis, même si on rechignait, mais voilà, je pense qu'il y avait un groupe. Les groupes étaient plus soudés. Et c'est vrai qu'on courait énormément, même les jeunes. Par exemple, moi, j'ai connu le fait que tu vas jouer en réserve. Quand tu es jeune, tu vas jouer en réserve le samedi. Ou t'es en pro, le samedi. Et ensuite, après, le dimanche, tu vas jouer en réserve. Parce que c'est comme ça. Et jusqu'à 23 ans, c'était comme ça à l'époque. Il n'y a pas de « Ouais, moi, non, j'ai un statut pro. Je vais faire mes matchs. Et après le match, non, c'est bon, je suis tranquille. » Ouais, c'était une autre époque quand même. Une bonne époque, d'ailleurs. Le lendemain, t'as joué 15 minutes en pro. Ou si t'es rentré ou t'es pas rentré, t'as joué 15 minutes. Le lendemain, tu vas jouer en réserve. Et ben ça, c'est ce qu'il fallait. Ouais, et je pense que c'est ça. Plus on va, plus on y va, et plus ça se fait. Ces trucs-là, ils se perdent, quoi. C'est notre mentalité. C'est ça. Lyon devrait prendre exemple des fois. On en reparlera après. Alors, à Lyon, il y en a qui signent très très vite. On continue un petit peu parce que ta carrière, elle est quand même importante. Hein. En 2003-2004, alors là, tu tombes sur Laszlo Bologny qui remplace Halilhodžić et tes relations avec lui, elles se tendent. Bologny, on se rappelle, c'est celui qui a lancé Cristiano Ronaldo quand même au Sporting Portugal. Il est actuel entraîneur du Panathinaikos. Lui aussi a une sacrée carrière. Comme quoi ? Qu'est-ce qui s'est mal passé avec Bologny ? Au début, je jouais. Hein. Au début, je jouais. Et ensuite, comme d'habitude, de toute façon, au Stade Rennais, on l'a vu, hein, par ces temps-ci, d'habitude, au Stade Rennais, c'est complètement compliqué. Je jouais. Après, il y avait un turnover avec Alexander Frey. Ouais. Et puis, à un moment donné, je ne marquais pas. Lui, il a marqué. Et puis, voilà, la tendance, ça s'est inversée. Et puis, tout à fait naturellement. Et puis, donc, il a joué. Moi, je rentrais de temps en temps, je marquais des buts aussi. Et finalement, sur la fin de saison, je suis parti en prêt. Ouais, t'es parti en prêt. Et ça, c'est lors de l'été 2004, hein, tu vas nous confirmer. Ouais. C'est Eli Bob qui t'encage du côté des Chiens Verts de Saint-Étienne. tu as eu un contrat de 5 ans et 11 buts au compte. C'est ça, hein ? 4-4. 4 ans, bon, on va rectifier. 4 ans, 11 buts au compteur pour ta première saison, c'est ton record, ça. Ouais, c'est mon record. C'est le record parce que tu sais, quand tu changes de club et surtout quand tu es prêté, pour te faire remarquer, soit pour rester dans le club ou soit pour partir ailleurs, il faut que mentalement tu sois fort et surtout faire une bonne saison. On avait quand même une bonne petite équipe quand même, donc c'était plutôt une année sympathique.
Alors à Saint-Étienne, tu vas quand même marquer 28 buts en 101 matchs quand même, mais la fin, elle a été un peu tendue, notamment ouais. avec les supporters. Ouais. Ça ne va pas s'arranger ce la soir. Fin, la fin de ton aventure, elle a été très compliquée. tu as été parti même au clash un petit peu avec les dirigeants de Saint-Étienne. Je vais te demander un truc un peu global, ton souvenir un peu de Saint-Étienne. Si tu as un souvenir que tu retiens de Saint-Étienne, parce que tout n'a pas été les mines quand même. Les mines, non. Sur le foot, hein, pas la ville. Hein. Non, pas la ville. Plusieurs, quoi. À Saint-Étienne, c'est quand même le club où j'ai gagné, où j'ai eu quand même mes deux trophées de meilleur joueur du mois, tu vois. Donc ça, c'est un souvenir quand même assez sympa. Et ensuite, le vrai souvenir que j'ai, c'est le premier derby à Saint-Étienne, en fait, le 2004. Attends, celui, tu nous le diras après, ouais. C'est la deuxième partie, tes souvenirs de derby. D'accord, mais... ok. Ouais. C'est surtout vraiment en globalité, ce que tu as retenu de Saint-Étienne, est-ce que vraiment cette fin où tu es parti au clash, ça a été compliqué à vivre pour toi, c'est quelque chose qui a gâché. Je le souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, parce que malgré tout ce que j'avais fait pour cette équipe, que ce soit avec les quelques supporters, je ne vais pas tout englober tout le monde, hein, bien entendu. Avec certains, ça a été très compliqué. Je suis venu aux mains avec un chef de groupe de supporters, ouais. parce qu'à un moment donné, il faut, on est des hommes, avant tout des footballeurs, des gens. On est quand même des hommes, on a des enfants, et quand on entend quelquefois des paroles un peu insensées, on s'énerve. Même s'il faut pas le faire, hein, bien entendu, c'est qu'il faut savoir se maîtriser dans la vie. Mais voilà, ça a été très compliqué. Des banderoles, en veux-tu, en voilà. Après ça, si dans le stade, c'est pas cool, parce que quand ce sont les propres supporters, c'est un peu compliqué. Mais voilà, la critique fait partie du football. Donc, comme je dis, les banderoles, c'est pas grave. Mais par contre, quand on attend à la fin du match un joueur pour s'invectiver avec lui, se prendre la tête. Ouais. Là, par contre, c'est plus difficile à accepter. Et donc, voilà, pour ça. Et puis après, voilà, c'est des choses du passé. Maintenant, est-ce que je le referais Je pense que oui. T'as fait une Patrice Evra. Parce que c'est dans ma nature, parce que malgré tout, je suis quelqu'un de très, très cool, très sympa. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire, quoi, c'est tout. Donc, tu re-signerais à Saint-Étienne, malgré tout, malgré la ville, malgré ça et tout. Courage. Bien sûr que non. Courage. S'il fallait recommencer, oui, forcément. Après, c'est vrai que Saint-Étienne, voilà, Monaco, c'est pas pareil. C'était tendu aussi, Hugo. Saint-Étienne, Monaco, ça a dû te faire un choc, non? J'allais y revenir, parce que c'est à l'été 2007, tu étais convoité par plein d'écuries européennes et tu avais l'Olympique Lyonnais qui était intéressé, mais apparemment, la somme était un peu dérisoire. Bon, c'était 5,5 millions, je crois, à l'époque. C'était dérisoire, alors que pour moi, 4 ans avant… Et Kayadzo ne voulait pas te laisser partir, donc c'est pour ça. Et tu as même été jusqu'à dire que tu arrêterais ta carrière si on ne te laissait pas partir, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est vrai, en plus, j'allais plus à l'entraînement depuis au moins 10 jours. Et il est donc, sympa, Kayadzo, ou… J'étais déterminé à partir du club. Il est sympa, Kayadzo, ou il est comme on pense? Il est comme on pense. En fait, c'est le plus sympa, c'est le plus cool des deux, on va dire. Oh là là. Ouais. C'est pas un compliment. Pourtant, il t'avait punché. Il avait dit l'OL rêvait de faire venir Drogba ou Eto'o. Ce que je vois, c'est Piquion qui signe et il a 30 ans. Pas très cool, quand même. Ouais, c'est pas très cool, mais c'est comme ça, c'est la vie. La jalousie. Après, je l'ai rencontré parce que dans le monde maintenant, aujourd'hui, dans les médias, tout ça, on s'est rencontré il y a quelques années. Il m'a pas dit tout ça, bien entendu. Il est plus gentil, donc, maintenant. Voilà, presque il s'excuse. Ouais, c'est le manque de couilles, ça. On n'aurait pas dû, faire comme ça. C'est quand t'as pas les fesses propres, ça. Mmh. Exactement. Ou pas de couilles. T'en as pas assez dans le pantalon. Ou pas, les gars, vous avez bien enchaîné tout à l'heure, puisque tu pars à Monaco. Ah, oui. La principauté de Monaco et ses avantages fiscaux. Tu restes une saison. Je suis allé à Lens, t'imagines? Ah ouais, j'habite à Lille. J'étais parti pour aller à Lens pour remplacer Cousin. Ah ouais, Daniel Cousin. En partant pour les Rangers. Et finalement, lui, vu que je ne suis pas venu, il est resté 6 mois de plus.
Ouais, donc je serais resté dans la même ambiance de supporterisme. Décevant à Monaco. Ouais. 50 matchs et 13 buts seulement. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Monaco? Tu as failli retrouver d'ailleurs Bologne, hein, n'est-ce pas? Ouais, heureusement que je ne l'ai pas retrouvé. je suis parti vite avant qu'il arrive. Non, ce que je retiens de Monaco, c'est que c'est vraiment aussi un super club, un club français, il faut le dire. Ça, c'est la vérité. Ensuite, puis la ville aussi. Bon, je m'attendais à ce que tu dises que tu es devenu millionnaire, mais bon, tu ne l'as pas dit. Non, pas du tout. Mais Monaco, franchement, c'était très difficile, en fait, de remplacer, on va dire, entre guillemets, l'équipe de 2004. Ouais, d'Ado Percho et tout ça. Qui avait été jusqu'en finale de Ligue des Champions. Et quand tu arrives dans une équipe qui est dans le bas des classements, qui essaie de se reconstruire, finalement, c'est hyper dur. Et on le voit à la suite. Hein. Quelques années après, ils sont descendus en Ligue 2. Donc, c'était vraiment une bonne descente tranquille. Donc. Et au moins, Fred, tu n'étais pas emmerdé par les supporters à Monaco. Ça va. Ah, ça, il y avait beaucoup moins. Ouais. c'est nous qui les faisons descendre, Monaco. C'est Lyon qui les fait descendre, si je ne dis pas de conneries. On gagne 2-1, je crois, chez eux, et ils descendent en Ligue 2. En 2011 ou 2012, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça, ouais. C'est nous qui les faisons descendre. On gagne 2-1 là-bas, je crois. Et ils descendent à cause de. Il y a une question. Bon, il est comment le prince Albert, ça? Tu as dû le rencontrer, lui, le prince Albert. Le Riche. Prince Albert, je crois que je l'ai vu plus de fois à la fin de ma carrière que pendant mes années à Monaco. Non. Donc, je crois que je l'ai vu une ou deux fois pendant que je jouais. Mais sinon, là, je le vois plus souvent. Et est-ce que tu avais le privilège d'habiter à Monaco, comme un certain Falcao, ou sur les hauteurs? Non, justement, on s'est posé la question. Et quand on est français, en fait, on habite en dehors de Monaco. Exactement, il y a plus d'avantages pour les étrangers à Monaco. Exactement. D'accord. On arrive, Fred Piquion, à l'été 2008. Alléluia. Ah. Tu es enfin transféré à l'Olympique Lyonnais. C'est là que tu as pris toute ta valeur. Meilleure année, après l'équipe de France, bien sûr. J'en parlerai à la fin de l'équipe de France. J'en parlerai. Oui, tu as eu une sélection en équipe de France contre l'Autriche. Oui, c'est vrai, en 2007. C'est vrai. 2007, ouais, on peut, d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Tiens, t'as raison, il vaut mieux être chronologique. 2007, t'es sélectionné pour la première fois en équipe de France. Et là, donc, tu vas côtoyer quand même donc, une sélection contre l'Autriche. Tu rentres à la 76e, j'ai même regardé les minutes, dis-toi. Donc, voilà. Imagine, j'ai que 15 minutes en équipe d'œuf, un truc de 15 minutes en équipe de France, mais alors, à l'époque, t'avais les Coupets, Thuram, Galas, Mexès, Las Diarra, Diaby, le regretté Diaby, Djibril Cissé, Nicolas Anelka, on en reparlera plus tard parce que tu le connais bien, Malouda, Abidal et un certain Karim Benzema que tu as côtoyé aussi à l'Olympique. Oh, mais qu'est-ce que t'en gardes? Un super souvenir, une grande fierté, bien entendu. Ouais. Surtout, je n'étais pas passé par un centre de formation, donc pour moi, c'était, réussite. C'était le rêve absolu d'aller en équipe de France. Après, bien entendu, ce n'était pas une fin en soi. Mais je savais très bien que ça allait pas continuer tous les jours. Ouais, et puis tous les joueurs qu'il y avait, Djibril Cissé, Anelka, Malouda, t'avais Sylvain Wiltord, t'avais encore Titi Henry, t'avais encore Trezeguet qui était encore là même s'il était blessé. Et moi je suis arrivé parce que il y a eu des blessés. Et donc ensuite je suis arrivé vraiment dans le bon moment. Et puis voilà, malgré tout ça, voilà, j'ai quand même une sélection. Tu es international, martiniquais et français, même si c'est la même chose. Bien voilà. Mais voilà, tu vois, et ça on pourra malgré tout, même si j'ai pas fait une carrière exceptionnelle. Jamais l'enlever. Et non, c'est clair. Sûr que c'est pas notre cas. Et puis 2008, Olympique Lyonnais. Alors, saison extrêmement compliquée sous les ordres d'un certain Claude Puel. Alors, les supporters, ils sont un peu contre toi. J'ai mal à l'oreille. C'est qui, Claude Puel? On va reparler. Attendez, les gars, on va reparler de Claude Puel. C'est intéressant, Claude Puel. Il y a des choses à dire. Alors, les supporters vont être un petit peu contre toi, notamment sur le fait que tu sois passé chez les Chiens Verts. Ça, malheureusement, on te l'a fait un petit peu payer. C'est vrai, à l'époque. C'est clair. Ouais. Ça a été, et pourtant, bon, t'as marqué quand même en Ligue des Champions contre la FIO, hein, la Fiorentina. Ça, c'est bien. En fait, j'ai marqué dans toutes les compétitions avec l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est bien. Mais au moins une fois dans toutes les compétitions. Belle petite passe de Benzema. Alors, 26 matchs, 4 petits buts pour l'Olympique Lyonnais. Et on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a un souvenir d'un certain derby, un 1er février 2009.
Ah, t'as failli mettre un but splendide. Aïe, aïe, aïe. Ça, t'as failli. Ouais, t'as fracassé une taupe. Et ça, on en parle. Ça, et j'en garde un souvenir. Et en plus, je me suis blessé sur ce coup-là. En plus, le pire, oh, c'est ça le pire. J'en garde un souvenir comme si j'étais hier. Et t'as cisaillé Dabo. Ouais, ouais. Oui. Transfuge à l'Olympique. Bah, quand on dit le mental il est extraordinaire dans le football. Je sais pas si vous vous souvenez, mais une semaine avant, en fait, on avait joué en coupe de France. Et j'avais été titulaire sur le côté, j'avais marqué. On avait joué au Havre, mais contre une équipe de là-haut, là, je sais plus où. Ouais. Et j'avais joué le côté droit. Donc moi, je me dis, bon, la semaine prochaine, c'est le derby. Là, j'ai joué 90 minutes, c'est bon, il va me laisser tranquille. Et il va faire jouer l'équipe type. Et de fou. Et le soir, Claude Pell, il me met dans l'équipe. Je dis, oh là là, demain. Et c'est là que le mental, il rentre en jeu. Le derby, les anciens, tout ce qui s'est passé. Moi, je me fais des films. Je me fais le match en fait avant. Je me dis, bon, demain, en plus, devant les supporters. Les deux supporters, il faut absolument qu'à Lyon, il faut que je fasse un gros match parce que sinon, c'était fini, terminé. Mais on sent que tu rentres dans ce match à bloc parce que ta première action, je crois que tu mets une frappe et le but peut être magnifique. C'était le premier. Ah ouais, là c'était chaud aussi. Par contre, à Lyon, ouais, bah justement, tu vois la différence, c'est que oui. vu que j'étais remplaçant. Et que la veille, toi, je m'étais dit, bon, demain, je me conditionne, je vais être un peu plus cool, plus relax. Mais quand je rentre, il va falloir quand même que je fasse la différence. Karim, il avait marqué. On menait 1-0, tu vois. Donc, je remplace Karim. Et là, je me fais siffler de fou. Et là, je me dis, bon, vas-y, je vais essayer de les faire taire un petit peu. Bam, je mets une frappe. Mais magnifique. Sans réfléchir, en fait. Tu vois, c'est l'instinct. Mais par contre, quand tu réfléchis trop et que tu te poses trop de questions, tu gamberges. Sur... Et ben, quand tu gamberges, et ben voilà, c'est cuit. Mais t'étais stressé, ça se voyait sur ce match-là. Tu vois, t'étais pas lucide. C'est un but facile, normalement. Je sais plus qui c'est qui centre, qui me la met au deuxième poteau. Et moi, au lieu de bien contrôler le ballon et d'être tranquille, serein devant le but et devant Jérémy Janot, parce que j'étais tout seul, je regarde l'arbitre de touche pour savoir si je suis pour jeu. Ouais. T'as fait une cornée, quoi. Arrêtez, les gars. Un peu de respect pour Piquion. Putain, arrêtez d'être méchant. Donc voilà, ouais, c'était un match très, très, très difficile. Et c'est pour ça, justement, à la fin du match, je m'étais rendu à l'après, je m'étais excusé. Un jour après, je crois que j'avais été même voir un groupe de supporters. On avait été échanger aussi parce que je me sentais tellement péteux, en vérité. Que ça m'a... En fait, ce match, il m'avait fait super mal. Ouais. Super mal. Ben, on va revenir d'ailleurs sur ton entraîneur de l'époque, Claude Puel. Tu lui avais posé une question, d'ailleurs, dans Footissime sur RMC. Il n'avait pas répondu. Il a dit que tu étais un joueur un petit peu bohème, que tu étais quelqu'un un peu tête en l'air sur le terrain, qu'il fallait te rappeler les principes. Qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur Claude Puel, notamment tu parlais de ce match, la fin du match Lyon-Rennes. On sait toujours pas ce qui s'est passé. Ouais, c'était un Lyon-Rennes en fait. Ouais. C'était Lyon-Rennes, je me rappelle très très bien parce qu'on menait 1-0. Karim se blesse. Ouais. Il a une petite blessure, je crois qu'il sort sur civière. Et Claude, il m'appelle vite, 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 vas-y, Fred, rentre. Donc je fais mon match, tout ça, machin. Et à un moment donné, il y a une touche. Donc, je me replace sur la touche, Rennes marque à la 89e ou 90e minute. Et je ne sais pas pourquoi, je rentre dans le vestiaire et Claude, il me pourrit. Il te l'a attribué, quoi. Il me l'a attribué, il me pourrit. Et c'est là que je lui dis, ah ouais, d'accord, donc c'est moi, c'est de ma faute. Non, on commence à chamailler un petit peu. Ouais. Et puis après, je ne l'ai plus calculé, tu vois. Et c'est là, la dernière fois qu'on est passé à Footissime, et quand on m'a posé la question, je lui ai dit, alors, est-ce que tu te rappelles de cette engueulade dans le vestiaire et tout. Et puis voilà, c'est parti là-dessus. Mais qu'est-ce que tu penses de Claude Puel? C'est quoi comme genre d'entraîneur? Parce qu'avec de manager. Claude Puel, c'est deux visages différents. Ouais. C'est le visage quand il est dans son boulot. Et le visage quand il est hors du boulot. Franchement, c'est-à-dire c'est pas pour le dédouaner, mais quand il est hors du boulot, c'est un mec adorable. C'est un truc de fou. C'est un chambreur. Il rigole. C'est quelqu'un de... Quand tu lui poses des questions, il
répond, il te parle technique, il te parle tactique, il te parle de tout, de la vie de tous les jours. Mais dès que voilà, dès qu'il rentre, j'ai l'impression que dès qu'il passe la barrière, qu'il arrive au foot, c'est un terminé. Volte-face. Tu peux pas lui parler. Les leaders, bah, ils ne parlent pas. Et c'est lui qui décide. Donc tu comprends qu'il a eu un clash avec Ruffier et que ça se passe si mal actuellement avec Ruffier. Toi, ouais. Tu comprends complètement qu'il assume ses choix jusqu'au bout. Je comprends totalement, parce que même si on pose la question à Gini, là, on pose la question à Claudio ou même Chris qui était encore là à l'époque, je pense qu'il y a eu aussi des clashs, mais on le sait pas trop. Mais je pense que vraiment, il y a eu de grosses discussions parce que le caractère de Chris ou de Juninho n'est pas compatible avec celui de Claude. Mais ils l'ont fracassé. Je pense qu'il y a certains matchs où on ne devait pas perdre normalement. C'est 7 fois champion de France. Moi, je viens à Lyon, je me dis, bon, cette année, même si je ne joue pas beaucoup, je vais me prendre un petit trophée à la fin, même si une petite Coupe de France ou une petite Coupe de la Ligue. Du coup, tu es arrivé dans la période où ça faisait ça. Et ouais, je suis arrivé dans la période finalement où ça fait fini. Je crois que c'est troisième, deuxième, et puis troisième, je crois, un truc comme ça. Ou troisième. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, une période compliquée, ouais. Une période compliquée, et même cette année-là, tu vas recevoir le ballon de plomb, donc par le journal satirique, les quel honneur. Alors là, bravo. Je te reproche ton comportement. Après, je m'y attendais un petit peu quand même. Hein. On te reproche ton comportement et ton caractère un petit peu mercenaire, parce que tu as eu toujours cette casserole qui t'a traîné tout au long de ta carrière. On dit Fred Piquion, c'est un mercenaire. Bon, je sais pas pourquoi. Mais pourtant, ouais, j'ai pas eu les plus gros salaires des clubs. J'ai pas fait de transfert à 20 millions, 25, 30 millions d'euros. Mercenaire, parce qu'à chaque fois je suis parti parce que je jouais pas. Il fallait que je joue à un moment donné, c'est tout. Ça fait 2 ans de moyenne. 2 ans de moyenne dans les clubs à peu près. Ça va. C'est pas le cas quand même. C'est pas non plus affolant. Hein. J'ai fait pas mal de clubs, mais après, voilà quoi. Juillet 2009. Pour récupérer beaucoup d'argent, quoi. Juillet 2009, alors là, c'est le grand départ. Tu fais la découverte de la première ligue. Tu es prêté à Portsmouth. Alors, à l'époque, c'est Portsmouth. Tu vas nous dire, mais je crois que c'est un club qui a été racheté par les Émirats ou quelque chose comme ça. C'est un gros projet avec beaucoup d'argent à Portsmouth. Ouais. C'est ça Israélien, c'était. Ah ouais, parce que oui, l'entraîneur, c'est Abraham Grant. Une grosse fortune israélienne, et c'est pour ça justement Abraham Grant, il a remplacé Gerrard au bout de quelques mois. Voilà, et donc par contre le club va être très vite en difficulté. Tu vas quand même marquer 11 buts en 45 matchs et tu seras le meilleur buteur du club à Portsmouth. En PL. En première ligue. La première saison, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu es prêté dans un club, il faut, si tu veux te faire remarquer, il faut tout donner. Les premiers temps ont été quand même compliqués, parce que la première ligue, c'est pas pareil. Hein. Franchement, l'intensité des matchs, il faut courir tout le temps. J'avais déjà 30 ans. Donc, c'était pas vraiment facile. Pas une légende, quoi. J'ai approché la saison-là. Et à la fin de l'année, j'ai trouvé un deal avec Jean-Mimi pour me laisser partir à West Ham. Ouais, t'as dealé avec Jean-Mimi. Juste après, mais j'aimerais quand même qu'on reste un petit peu sur Portsmouth. Alors bon, vous finissez 20e de Première Ligue, mais par contre, tu as joué avec des joueurs quand même assez importants. Nadir Belhadj, hein, l'ancien Lyonnais. Ancien Lyonnais. Haruna Dindane, qui a joué du côté de Lens. Kevin Prince-Boateng. Alors lui aussi. Lui, c'est un beau mercenaire. Hein. Par rapport à moi, franchement, ouais. Kevin, il sortait de Tottenham. Ouais. C'est Kevin, il sortait de Tottenham et il est arrivé chez nous. Enfin, il est arrivé à Portsmouth avec une ambition aussi de pouvoir performer. Mais lui aussi, ensuite après Portsmouth, je crois qu'il a fait, je sais plus combien de clubs. C'est un truc de malade. Il a fait Las Palmas. Il a marqué un but avec Las Palmas de ouf. Et il a fait le Barça. Le but à Las Palmas, incroyable. Il a fait le Barça, surtout. Il y a 2 ans. Et tu as joué aussi avec Nwankwo Kanu. Nwankwo Kanu, mais mon Dieu, c'est incroyable. C'est une légende nigériane qui a joué du côté d'Arsenal. Tu as joué avec lui. Ça, c'est PES. Mais il était trop fort. Hein. Il courait plus beaucoup parce qu'il avait des problèmes de genoux. Mais sinon, à l'entraînement, c'était abusé. Ouais. Il avait une technique, une prestance sur le terrain. C'était abusé. Jonu Taka.
Ouais. Qu'on a connu en Ligue 1 aussi, de Noutaka. À Lens, si je dis pas. Ouais, il y en avait pas mal hein, de Ligue 1 dans une équipe, hein, finalement. Saul Campbell. Oh, ça aussi, c'est du. Non, Saul Campbell, il était déjà parti. C'est PES, ça aussi. Hein. Il était déjà parti, Saul. Ah, il était déjà parti, oh là là. Très, très gros joueur. Et t'as joué aussi avec Peter Crouch. Non, non, il n'était pas là encore. Il était déjà parti. Il était pas là. Ouais, ouais, il était parti à Tottenham. D'accord. Bon, est-ce que en fait, j'ai oublié. Ils sont tous partis avec comme Harry Redknapp. D'accord. Oui, bon, on va parler d'Harry Redknapp. Tiens, on va en parler juste après parce qu'Harry Redknapp, voilà. Alors, lui, c'est un mercenaire. Ouais, ça c'est vrai. De ton aventure à Portsmouth, qui t'a le plus impressionné, franchement, en joueur? En joueur? Ouais. Malgré les apparences, c'était David James. Calamity James. James, international, le gardien international anglais. Ouais, ouais, le blond. Le mec, il arrivait le matin à 8h et repartait à 16h de l'après-midi. Non. Des fois, on se posait la question, mais qu'est-ce que tu fais pendant toute la journée? Quand tu voyais ces matchs, tu devais te demander. Ouais. Le mec, il prenait des buts. C'était un truc de fou. Un truc de fou. Et finalement, je pense que c'est l'un des grands joueurs avec lesquels j'ai joué. Mais il était tellement dans la performance. Ouais, et contre en PL. Contre en PL. Qui c'est qui t'a impressionné contre? Parce que là, t'as dû jouer face à des monstres. Ah, bah, j'ai joué, ouais. Quand tu jouais contre Man City, Manchester United. Arsenal. United, il devait y avoir encore Keane, il devait y avoir Giggs, tout ça à l'époque encore, non? Ouais, je crois que j'ai fait même un penalty sur Giggs. À domicile. Il y avait Batebra encore. Il y avait Ferdinand. Quand tu joues contre Ferdinand, la paire Ferdinand Vidic. Oh là là, tu n'as pas dû mettre de but là. Non, le seul but que j'ai mis contre un gros club, c'est Chelsea. Moi, il y avait déjà John Terry, non? Il y avait déjà John Terry à l'époque. Il y avait John Terry et surtout Petr Cech dans les buts. Donc, je le connaissais un petit peu. Oui, forcément. Ouais. Alors, tu retourneras quand même à Lyon à la fin de ton prêt à Portsmouth, mais tu seras transféré à West Ham où tu vas rester deux saisons. Ah bah, il faut que je vous raconte. 62 matchs. Faut que je te raconte quand même quand je suis rentré à Lyon. Quand même. Le retour. Ah, c'est extraordinaire. Ah. Je finis mon prêt à Portsmouth, tout se passe bien, tu vois, tranquille. Je rentre à Lyon pour aller m'entraîner, je crois que c'était le 20, il me semble, la reprise. Tu vois pas, Claude, il me dit. Bah non, ton prêt c'est jusqu'au 30 juin, donc à partir du 30 juin, tu iras avec la réserve à Tignes, et puis après on verra. Ah. Mais qui te dit ça? Claude. Pardon? Claude, qui te dit ça? Le père Puel ou le père Rolas? Le père Puel. Non, Claude Puel. Ah bon, c'est vraiment Claude une dôme. Il me dit non, c'est clair. Ton prêt il est jusqu'au 30 juin, donc finalement tu peux repartir en vacances là. Jusqu'au 30, tu iras t'entraîner avec la réserve. Oh. Ah, il a rien dit, Jean-Mimi? Quand tu rentres de Tignes, on verra. Il a rien dit, pas défendu? Non, Jean-Mimi n'était pas là. En plus, il était à Saint-Tropez. Bah oui, tiens. Eh, les petites vacances. Il y a des priorités. Il y a des priorités. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est là, tous les jours, en fait, j'avais un grand, puisque lui, il avait signé à West Ham. J'avais un grand qui m'appelait. Et qui me disait, voilà, nous on propose ça, vas-y, c'est de voir avec Jean-Michel, qu'on arrive le plus rapidement possible. Et en fait, à la fin, je suis parti à West Ham à la fin de Tignes. Ouais, ça ressemble un peu à Gomis, la fin de Gomis aussi. Où il joue en réserve. Ouais. Bah après, pendant mon année lyonnaise, j'ai beaucoup joué en réserve. Hein. Beaucoup. Hein. J'avais 29 piges, les Lacazette et tout. Tu jouais à Lyon, tout ça. J'étais déjà avec eux, hein, tranquille. Hein. Tu les as formés, quoi. C'est grâce à toi. Qui c'est... Formé, c'est un bien grand mot, mais ouais, mais j'étais avec t'étais grand frère, quoi. T'as joué avec des machines, hein. Grand frère. Ouais, franchement. C'est clair. Alors, comme tu dis, l'Olympique Lyonnais a toujours formé des grands joueurs, hein, des grands attaquants. Toujours. Ça, il ne faut pas le nier. Alors, 62 matchs à West Ham, 11 petits buts. Alors, tu as retrouvé, comme tu as dit, Abraham Grant, mais ensuite, il s'est fait virer. Tu as eu Sam Allardyce. Lui, c'est un mercenaire. Il est extrêmement connu en Angleterre, Sam Allardyce.
Ton avis un petit peu sur lui. Qu'est-ce que bah, ça s'est pas très bien passé, hein, ce que je... Non, bah non, parce que vu, ça s'est pas bien passé puisqu'il m'a pas transféré. Donc vu que j'étais pas dans son transfert, tu joues pas. Hein. Clip. Pour ce genre de ce genre Pissam, de comme on l'appelle, parce qu'on a toujours l'impression qu'il dort. Il paraît que c'est pas un gros bosseur. Bah, lundi, mardi, mercredi, jeudi, il est dans son bureau. Vendredi, il sort pour faire une espèce de tactique long ball et des flics. Long ball, et après, tu dois dévier pour un mec qui arrive ou second ball. Et puis voilà, c'est ça la tactique. Donc, putain, c'est, t'as l'air de la... C'est beaucoup appris, hein. Franchement, c'est... Tu le portes dans ton cœur, celui-là. Ah non, mais... c'était abusé. C'est abusé. Et, le seul truc qu'il a bien fait, c'est qu'il nous a tous amenés à Dubaï pendant une semaine. Ah, pour faire le stage. Le fameux stage de Dubaï au mois de février, c'est la seule chose qu'il a fait de bien. Mais sinon, le reste. Ouais, il a une réputation quand même, une bonne réputation quand même, Samuel Ardaïs. Hein. Il tourne quand même. Hein. Ça reste quand mais même. Mais c'est pour les mêmes qui tournent, les Harry Redknapp, les, tous les dinosaures là. Bah, Claude Puel, nous on se le tape aussi. Hein. Bah, c'est clair. Bah, oui. Alors, Claude Puel, il avait fait de bonnes choses à Lille. Donc après, je pense que Jean-Michel Aulas. Bah, c'est comme Garcia, quoi. Mais il a. Monaco aussi. Puel, je crois, il a commencé à Monaco. Puel, il a bien. Il a été champion de France à Monaco. Ouais. Champion avec Monaco. Ouais. Donc après Lille, il fait du bon taf. Hein. Voilà. Alors, à West Ham, tu vas côtoyer aussi pas mal de beau monde. Rob Green, qui était aussi gardien Robert anglais. Robert Green. Ouais. Scott Parker, actuel entraîneur de Fulham. Et ouais, c'est ça. Il est toujours nickel, Scott Parker. Hein. Il n'a pas changé. Bah, mais là, je l'ai vu la dernière fois, encore une fois. J'avais pas commenté le match de Fulham. Je l'ai vu s'habiller. J'ai dit, c'est pas Scott Parker, c'est Sir. C'est Sir Scott Parker. Il est bien, habillé. Bien mis, hein. Alors, à l'anglais, la mèche et tout, propre. Le trois pièces. Il est. Ah ouais, la classe, Scott Parker. Ouais, la classe. Tu as connu Matthew Hobson. Ouais, aussi. Matthew aussi, ouais. Mark Noble. Alors, statistique intéressante sur Mark Noble, qui est le capitaine de West Ham, emblématique. Deuxième joueur de l'histoire sur le taux de conversion de pénalty derrière Robert Lewandowski, quand même. Ah, il était bon au pénalty, ça c'est vrai. Ça c'est. Paul, ça, là, Mark Noble. West Ham, on l'appelle Mark Noble. Bah, il a tout. Je crois qu'il a tout fait là-bas. D'ailleurs, il a été formé là-bas à West Ham. Et là, il y a encore. Exactement. Beaucoup, mais il est toujours là. C'est un bon joueur, c'est un des meilleurs que tu côtoyais, West Ham. C'est un porteur d'eau, il est là, c'était le joueur. Typique champion anglais, quoi, le mec, voilà. Ouais, exactement. Au combat, guerrier. Tu as fréquenté Dembaba, le fameux Dembaba. Pendant 6 mois, ouais. Ouais, sacré joueur. Le tueur du Paris Saint-Germain. Il est au Fénam, il est arrivé pendant 6 mois. Il est arrivé pendant 6 mois à West Ham, et puis après, il s'est barré à Newcastle. Ouais. Et puis, je ne sais pas si tu l'as connu, peut-être un petit peu John Caro, ancien lyonnais. Ah, bien sûr, John Caro. Déjà, on s'était rencontrés quand il était à Aston Villa avec Portsmouth. Ouais. Et après, je le vois arriver à West Ham. Ah, lui aussi, c'est une figure. Hein. C'est un mec, il est tellement gentil, John. Aujourd'hui, je crois qu'il fait qu'il travaille un peu dans les médias. Et il fait du cinéma, il me semble. Il fait du cinéma, ouais, John Caro. Ouais, il est acteur, hein, c'est ça. Il est acteur, ouais, je te confirme, il est acteur. J'avais vu un truc sur ça et il est acteur. Il ressemble à The Rock un peu. Ouais. Partout, il est moins costaud que The Rock, même s'il est, une bonne bête. Mais... La talonnade contre le Real Madrid. La talonnade contre le Real. La talonnade contre Madrid. Bah oui, la talonnade contre le Real, énorme. La talonnade contre le... Bon, ensuite, alors, on va continuer. Alors, comme tu n'étais plus dans les plans de Sam Allardyce, tu es parti aux Doncaster Rovers en mars 2012. Alors, ils évoluent en championship. Championship, ouais. Ouais. Tu as fait 8 matchs et seulement 2 buts avant de retourner chez les Hammers. Alors, c'était très court, hein, cet intervalle. Ah ouais, parce qu'en fait, pour, je sais pas si... Bah après, peut-être que vous savez, mais quand tu es en première ligue et en seconde partie de saison, tu peux être prêté en championship. 1 mois, 2 mois, 3 semaines, 4 semaines. Et en fait, c'est pas mal ça. Ouais, et en fait, bah ouais, puisque je jouais pas beaucoup, donc je me suis dit, je vais aller à Doncaster jouer un petit peu pour me remettre en selle, parce qu'en plus on faisait les playoffs après avec West Ham pour la montée en première ligue. Ouais. Donc j'ai été faire quelques semaines, mais au bout de, je crois que j'ai fait 3-4 matchs, puis après je me blesse. Ah ouais. Je me blesse, je me fais mal, et puis après voilà, je rentre à. Mais
Mais ce qui est extraordinaire, ça aussi, mais ça, c'est, il n'y a que dans le championnat anglais qu'on peut voir ça, c'est que je m'entraînais avec West Ham le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi. Jeudi soir, je prenais mon taxi, mon chauffeur qui m'attendait pour m'emmener à Doncaster. Vendredi, je m'entraîne. Samedi, match. Et je rentrais à Londres le samedi soir après le match. Oh là là. C'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si je jouais au PSG. Je me fais prêter à Créteil. Et voilà, je m'entraîne avec Paris jusqu'au jeudi. Et après le match, je rentre. Mais c'est un truc de... Ouais, d'ailleurs, ton avis un petit peu sur le championnat anglais, moi. Pour moi, c'est le meilleur championnat du monde. Est-ce que c'est ton avis aussi? Ouais, bien entendu, bien entendu. Après, il y en a qui vont peut-être préférer la Liga, parce qu'en Liga aussi, c'est un championnat hyper technique. Mais si on veut voir de la technique avec l'intensité et des matchs à rebondissement, c'est en Angleterre. C'est en Angleterre. Bah, oui. Et on le voit encore cette année, même s'il y a le Covid. Mais il y a des équipes comme Aston Villa, qui était dernière la saison dernière, qui ont mis des 7 à Manchester City. Jack Grealish. Jack Grealish, c'est un mec qui va faire toute sa vie, Aston Villa. Mais j'ai l'impression, de toute façon, ils ont l'argent pour le garder. Hein. Pour les conserver aussi. Après, après, ça va dépendre s'ils veulent gagner des titres. S'ils veulent gagner des titres, il ne faut pas qu'ils restent à Aston Villa. Mais c'est tout. Il y a encore des romantiques. Il y a encore des romantiques dans le football. Mark Noble, non, Jack Grealish. C'est vrai, encore, c'est vrai. Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus maintenant, quasiment dans le foot. Bah, ça dépend où tu joues, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, tu joues au Real, tu joues au Barça, tu joues à la Juve. Tu regardes Ramos. Manchester, à City. Tu peux rester dans ces clubs-là, mais à un moment donné, si tu veux gagner des titres, il va falloir aller dans des équipes où tu gagnes des titres tous les ans. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on continue, mais on est bientôt à la fin de ce parcours. Donc, comme tu es, c'est fini, West Ham, tu peux... Hein, se met en but. C'est une véritable aventure, ton CV. Ouais, en 2013, tu pars à la découverte de la MLS chez les Portland Timbers. Ouais. Alors, ouais, je jouais pas beaucoup à West Ham. Ouais. Et pour le projet sportif. Pardon ? Cadre de vie, pépère, là, non ? Ouais, cadre de vie, hein, tu vois, parce que les gens, ils me disent que je suis mercenaire, mais là, j'ai divisé mon salaire par 10. Hein. Putain, ouais. Ah ouais. Bah ouais, il y avait pas de, j'étais pas DP, donc il fallait bien y vivre quand même correctement. Mais c'est Mika Sylvestre qui m'a appelé en me disant que voilà, il y a le numéro 9 qui s'était blessé, est-ce que ça t'intéresse? Il en avait parlé au coach, donc je suis parti de West Ham, je suis parti là-bas à Portland, j'ai fait 2 jours, un match d'essai. Quand ils m'ont dit OK, je suis rentré encore à Paris pour faire mes papiers, passeport et visa. Et je suis reparti une semaine après à Portland. Voilà comment ça s'est fait. C'est très, très fort le commentaire. Une saison à 7 buts avec les Portland Timbers, quand même. T'as pas rencontré le LA Galaxy de Beckham, puisqu'il était... Quoique, il était parti, c'était en janvier 2013 au PSG. Peut-être non, il était parti, David Beckham, il était parti... Ouais. Par contre, il y avait Titi, il restait Titi là-bas, ouais. À New York. Il restait encore Titi. Ouais, New York Red Bulls. Et puis après, j'ai rencontré encore quelques Français aussi. Mais c'était vraiment une aventure humaine géniale. C'est vrai. Tu conseillerais à des joueurs de partir en MLS actuellement? Bah, comme Juninho à l'époque. Ah oui, Juninho. Ouais, Juninho aussi, il était parti là-bas, mais... Le problème d'aujourd'hui, c'est plus comme il y a 10 ans, 10, 15 ans. C'est qu'avant, tu avais 30 ans, 31 ans, 32 ans, tu pouvais y aller. Mais aujourd'hui, la MLS a tellement évolué que si tu as déjà plus de 30 ans, il faut vraiment que tu aies un CV pour y aller là-bas. Sinon, ils ne te prennent plus. Ils te prennent progresser. Plus. Il faut que tu aies 25, 26 ans. Aujourd'hui, ils sont capables de payer des transferts à 8, 9 millions d'euros. Chose que tu ne voyais pas il y a 10 ans, à peu près 10, 15 ans en arrière. Et les DP, ils ont augmenté. Le salaire minimum aussi, il a augmenté. Donc voilà, ils sont en pleine expansion, les États-Unis. Ouais, ils sont en pleine expansion. Si j'ai un conseil à donner à des personnes qui veulent aller aux États-Unis, c'est déjà de passer par les universités. À 18, 17, 18 ouais. ans, si vraiment il y a un problème parce qu'on sort d'un centre de formation. On n'est pas gardé, on n'a pas signé pro,
C'est bien de pouvoir faire un essai là-bas, passer d'abord par l'université, obtenir un diplôme, et puis après aller en MLS. Et par contre, Didier Deschamps, il n'a pas fait beaucoup de pubs à la MLS hein, pour le transfert de Blaise Matuidi. Il paraît qu'ils ne sont pas très doués avec les pieds. C'est ce qu'il a dit, un truc comme ça, hein, lors du dernier rassemblement. Non, mais c'est pas vrai. Il y a quelques joueurs qui l'appellent qui ne sont pas doués non plus. Le mec, il te dit ça, il prend du bois dans son équipe. Ils sont pas top top. Blaise Matuidi qui est parti là-bas. Ouais, bon, on verra son retour d'expérience là-bas. Bref, on continue. 2014, tu feras une saison à l'US Créteil-Lusitanos. Tu vois, tu parlais de Créteil tout à l'heure. Ouais, tu t'entraînes avec le PSG et t'allais à Créteil jouer, c'est ça? C'est avec ça. David Beckham. Non, je suis rentré des États-Unis, il me semble, en avril. Ouais. J'ai signé à Créteil au mois d'août. Donc entre-temps, je m'entraînais correctement. Et après, il y a Erita Ilunga dans l'équipe de Créteil à l'époque, avec qui j'ai joué dans pas mal de clubs. Et donc il me dit, voilà, il cherche du monde. Yves Berger, qui était le coach à l'époque. Voilà, il cherche du monde. Est-ce que ça te dirait? Donc là encore, je fais un match amical. Et voilà, ça s'est fait comme ça aussi, pareil. Il me dit, vas-y, c'est bon, viens Fred, on y va, on part sur l'année, quoi. Tranquille, en Ligue 2. Ouais, en Ligue 2, et tu finiras, parce que ça y est, on arrive au bout du CV. Mon Dieu, il aura fallu 46 minutes pour aller au bout du CV. Passionnant de monsieur Frédéric Michel. Tu finiras ta carrière en Inde, dans le club de Nicolas Anelka, le Mumbai City FC. Nico Anelka, lui aussi en fin de carrière, il était joueur-entraîneur. Alors, tu peux nous raconter un petit peu cette expérience particulière, ce championnat indien? Championnat indien qui est un peu calqué un peu sur la MLS. Ouais. Avec feu d'artifice quand tu rentres sur le terrain. Franchement, c'est un tournoi terrible. Terrible, c'est super bien organisé. Là, on pouvait me traiter de mercenaire parce que ouais, là, j'étais prendre des sous. Projet sportif. On était prendre un peu. Ouais, projet sportif. On a été prendre un peu de caillasse parce que sur 4 mois en fait de compétition, c'est comme si tu faisais 3, 4, 3, ouais, 2, 3 ans en Ligue 2. Non. À l'époque, un truc comme ça, moi quand j'ai arrêté, il restait encore un an d'ASN et après c'est parti complètement. Et puis l'ambiance, c'est pas la Ligue 2, quoi. Non, 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 non. Et puis franchement, les stades étaient pleins. On jouait dans des stades de cricket. Donc, il y avait entre 40, 40, 50, 60. Il y a des stades où c'était 80 000 personnes. La passion. 80 000 Indiens qui supportent l'équipe. Et c'était vraiment… Non, non, c'était vraiment… T'as dû te régaler, là. Non, c'est franchement, clair. Ouais. On s'est régalé avec Nico, Benachour. Ouais, Benachour. Et compagnie. Donc, franchement, c'était… Les hôtels. De toute façon, on connaît la différence de niveau, de classe sociale. Entre le top où tu as des hôtels de malades mentales, et puis tu sortais juste de l'hôtel et tu voyais la pauvreté qui était très très dure à vivre, très très dure. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de Nicolas Anelka, qui est un personnage un petit peu fantasque. Qu'est-ce que tu as raconté? Comme à Saint-Etienne, il a dit. Hugo. Mais c'est bon ça, cette bonne guerre, Cookie. Bien joué. Mais il lance le derby, Cookie. Mais ouais, ça sera juste le sujet d'après. Mais juste pour finir sur le CV de notre ami Fred Picken, Nicolas Anelka, qui a eu son documentaire sur Netflix, personnage controversé. Tu le connais bien sûrement, Nico Anelka. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce personnage? Ah, ben j'ai appris. En fait, Nico, je l'ai côtoyé en équipe de France là, quelques temps. Après, je l'ai côtoyé aussi en Angleterre, puisque on habitait dans la même ville à Londres. Et puis on a joué souvent contre l'un contre l'autre quand il jouait à Chelsea et moi j'étais à West Ham ou même Portsmouth. Voilà, Nico c'est quelqu'un de droit, de formidable. L'anecdote en fait pourquoi j'ai signé à Mumbai, c'est que je suis parti en vacances à Dubaï. Avec et moi je savais que Nico était là-bas donc je l'appelle et il me dit écoute moi l'année prochaine je serai entraîneur joueur de Mumbai, si t'es chaud, si t'as rien, bah, je t'appelle. Mais bon, si t'as quelque chose, vaut mieux que tu restes en Europe et tout ça. Donc, il m'appelle et finalement, il a tenu les paroles. Il m'a appelé quelques semaines après. Je lui ai dit, écoute, Nico, moi, j'ai rien. Vas-y, viens, on y va. Et il m'a dit, vas-y, banco. T'inquiète pas, t'es dans la team.
Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et depuis, on s'est côtoyés, on a appris à se connaître, à connaître nos familles mutuelles. Et puis voilà, à chaque fois que je vais à Dubaï, il me reçoit. À chaque fois qu'il vient, même sur Paris, on se voit, on se fait des restos ensemble. Et c'est quelqu'un vraiment de super cool, de super gentil. Il faut vraiment Et le connaître. pourquoi il a cette image de mec un peu incompris, de bad boy, de mec qui en fait Un peu casse à tout? froid, un peu bad boy, parce qu'il dit ce qu'il pense, c'est tout. Ouais. Parce qu'il, tout simplement. Et aujourd'hui, on sait très bien que le football, c'est je m'as-tu vu, c'est du faux, Aseptiser beaucoup de la langue bleue, communication. beaucoup de communication. Et lui, là, c'est pas comme ça. Et on le voit hein, à travers le reportage. Et en fait, nous, on l'avait, moi, nous, on devait en faire plus. Hein, le reportage, on a eu des discussions, des dialogues. Normalement, on a vu un tout petit aperçu du reportage. Normalement, ça dure au moins 6 heures, ce qu'il a fait. Parce qu'on Ouais, a ça, des on voit sur notre fin un images. petit peu notre reportage, ouais, sur le Ouais, parce documentaire. qu'on a des images à Dubaï, on a des images à Ouais, Mumbai aussi, on ouais, a des images en Inde, on a des images à Paris, on a des images où. Non, non, on a des super images, mais finalement, Netflix, ils sont basés sur le début de sa carrière, alors qu'on la connaissait déjà, ce qu'il a vécu au Real et tout ça c'était déjà du passé. Et ensuite, ce qui a fait le buzz, c'est Clément Domenech qui a dit, ouais, finalement, non, Nico, au bout de 10 ans après, Nico, non, il n'a jamais dit ça. Mais dis-le tout de suite. C'est un Pourquoi peu t'attends tard, 10 ans? Tout de suite, il n'y a pas de hein. polémique, il n'y a pas de truc. Ouais. Et on avait, voilà quoi. Donc, voilà, c'était. Mais Nico, Venu non, dans le... c'est quelqu'un de très, très bien, vraiment. Voilà, bah, c'est bien de le dire aussi, parce que nous, on le voit que de l'extérieur, on est des On ne simples connaît pas, ouais. supporters. Hein. Anelka, c'est l'un des personnages du football français les plus controversés, je pense, de ces 20 dernières années. Et c'est C'est pour ça clair. que c'est bien que toi, tu nous dises un petit peu ton avis, toi qui l'as côtoyé d'un peu plus près. Bon, Fred, maintenant qu'on a fini ton CV, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est le Le derby derby. qui arrive. Ouais, c'est le 69e derby ce Comme week-end. par Bon numéro. hasard. Mais Bon comme numéro. par hasard, Bon 69e. numéro, il se joue en plus à Lyon. Dans un stade vide, malheureusement, ça c'est un peu con Ouais, pour toi. malheureusement, ça, vraiment, c'est compliqué, ça. Les meilleurs souvenirs de derby, les gars. D'ailleurs, vous pouvez commenter, je vois que vous êtes nombreux à commenter. On va commencer par Fred, qui est notre invité. Ton meilleur. T'en Ouais. as joué combien d'ailleurs des derbies? Oh, j'ai dû en jouer 4 ou 5. 6. Quand même. 5, C'est 5, oui. 6, 7. Ouais, 7 même, je pense. Non, Et quel autre? moi le plus, celui qui Ouais. m'a. Parce que moi, je ne connaissais pas, tu vois, cette rivalité entre Saint-Étienne et Lyon. Donc, quand j'arrive à Saint-Étienne, direct, on me dit, ouais, c'est le match, il ne faut pas perdre, machin, c'est le derby. Donc, je dis, oh là là. Et quand j'ai vu le match, l'intensité qu'il y a eu pendant le match. J'ai dit, ah ouais, ça c'est vraiment un match de foot. Parce que le match, il était super beau. Malgré tout, malgré la rivalité, malgré ce qui s'est passé, malgré la défaite de Saint-Étienne, il était super beau le match. Et ce qui avait mis un petit peu la rage, c'est que le pénalty de Sidney à la dernière minute. Mais sinon, au niveau du match, au niveau de l'intensité, des joueurs qu'il y avait sur le terrain, mais il n'y a plus ça aujourd'hui. Il n'y a plus ça. Et quand je me remémore un petit peu, quand je me remémore un petit peu ce qui est les joueurs qu'il y avait dans cette J'allais le équipe dire. lyonnaise, même au niveau de Saint-Étienne, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a plus de. On pourra plus revoir ce genre de match. Ouais, ça va être notre thème suivant. Mais donc toi, ton meilleur souvenir, si tu en as un à retenir, c'est celui avec Ouais, le penalty de Sidney. c'est celui-ci, ouais. C'est celui de Saint-Étienne, ouais. Franchement, c'était le plus beau derby dans lequel que j'ai pu jouer. Après, j'en ai eu d'autres où c'était plus folklore. Où quand Lyon était déjà champion, ils nous avaient fait la fête avec les cheveux Ah oui, colorés. Celui-là, il était ça trop. c'était un sacré souvenir, ça. Attends, C'était un c'était le souvenir. 30 avril 2000, c'était le 30 avril 2006. C'est ça, Voilà, donc 4-0. déjà champion avec On Oulin, leur a avec mis une leçon. 4-0. C'était un petit peu relou C'est celui-là. 4-0, tous Patrick, maquillés, je c'était crois qu'on perd la fête. 4-0, 3-0, 4-0. C'était injouable. 4-0, 4-0. Ouais. Facile, quoi. Ah, il y en a Ouais, un qui c'était un dit match meilleur de foot. souvenir, Piquion, une frappe de foot 30 mètres sur l'arrêt qui a fait silence dans le Ben oui, c'est film de ça, on en parlait tout à Oui, l'heure. on en parlait tout à Oh là l'heure. là. Ouais. Coquinho, tiens, tu vas nous dire, toi, c'est quoi ton meilleur souvenir de derby? Oh bah c'est Nabil Fekir qui monte son maillot, hein. C'est le Clairement. 5-0. Clairement. C'est celui-là parce que c'est le plus facile, le plus détente, et celui qui
qui cristallise un peu toutes les tensions aussi et qui représente bien le match. Une humiliation. En d'autres termes, oui. Non, mais c'est vrai, c'était. Ouais, mais... Je pense que ça, c'est des matchs qui sont très très durs à vivre. Pour ça, pour... Bah, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est... Quand tu... voilà, même si tu perds 1-0, ça doit être tellement difficile à vivre. Tu... Mais bon, c'est comme mais, ça. Mais ouais, c'est vrai. Alors, tu vois, tu avais. C'est le contexte. Ouais. C'est le contexte qui fait ça, ouais, exactement. On t'a briefé, franchement, Fred, quand t'es arrivé, on t'a dit, les joueurs, les anciens, peut-être les cadres, ils t'ont dit, franchement, il y a un match à pas perdre. Bah, comme Depay. Non, mais oui, bien sûr. Mais ça, c'est la base. Dès que le calendrier, en fait, dès que le calendrier tombe, tu sais, voilà, c'est la date qu'il ne faut pas rater. C'est clair et c'est net. Après, est-ce qu'on t'inculque dès le plus jeune âge? Quand je suis arrivé à Lyon, j'ai eu le malheur de dire ouais, bah, c'est un match complet comme les autres. Comme ça, je me suis fait tomber dessus au parc de la mais, Tête d'Or. Mais du coup, c'était super doux. Mais bon. Moi, j'avais une question. C'est qui insuffle ça? Est-ce que c'est plus le président? Est-ce que c'est les cadres, les joueurs cadres? Non, franchement, c'est plus l'environnement. C'est plus, beaucoup d'accord. Plus l'environnement, même si, voilà, c'est même si... C'est dans la ville, tout ça? Exactement. Une semaine avant le derby, tu sais que c'est... Voilà, et si tu ne sais pas, tu sais. Donc, c'est clair. Je te le rappelle. Ouais, c'est... Non, mais je pense que c'est plus l'environnement autour du club qui fait ça. Après, moi, je n'avais pas connu... Il y a beaucoup de joueurs qui avaient connu même des derbys au niveau des jeunes dans l'équipe de Saint-Étienne. Ouais. Donc, c'est ça aussi, tu vois, quand tu joues en 17 ans, quand tu joues en 18 ans, 19 ans, nationaux, bah forcément, t'as des derbys pareils. Et ça monte d'un cran quand t'es en pro, forcément. Comment on prépare un derby, Fred? Bah, franchement. Surtout pas comme moi. Surtout pas comme moi, le derby que j'ai fait à Lyon, c'est-à-dire de se faire le match avant, quoi. T'avais pas dormi. Finalement, c'est le meilleur moyen de rater son match. C'est ça. Comment tu le prépares, c'est que essayer de le préparer. Je vais pas dire comme un match comme un autre, mais presque. Parce que dédramatiser. Tu te mets tellement de pression, l'environnement, il te met tellement de pression que. Et puis ouais, et puis il y a la famille, il y a les potes, il y a l'entourage. C'est regardé par il y a les médias, c'est regardé, c'est le dernier match, c'est sûr que c'est le match de 21h dimanche soir, oui. C'est regardé par tous les joueurs, tout le monde regarde le derby, le vrai derby, parce que c'est un vrai derby, il y a 40 km entre c'est les deux. C'est le derby. C'est le derby. Et il y en a qui font leur carrière sur des derbys en plus, quasiment. Aussi, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Et par rapport à tous les matchs que tu as vécu dans ta fabuleuse carrière que nous avons énoncé, est-ce que le derby ou les derbys, c'est ce qui marque le plus, en tout cas au niveau de l'ambiance, au niveau de la pression? Est-ce que tu as vécu quelque chose de similaire ailleurs? Londres, on a 1000 derbys à Londres, mais celui d'West Ham, c'est Tottenham. Ouais. Et c'est pratiquement la même chose. Et aussi, je l'ai vécu, moi, c'est celui de Portsmouth avec Southampton. Ouais. Donc, c'est vraiment des derbys très particuliers où pareil, il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre du tout. Ça peut créer des grosses embrouilles avec des supporters, ça. C'est des choses qui, vraiment, tu sens... Il y a cette rage, si on perd, il y a quelque chose qui peut se casser définitivement. Ouais, ça peut. Parce que même, et le plus gros derby, je vais aller même plus loin, parce que nous, avec West Ham, quand on est descendu en championship, vous savez la rivalité avec Millwall. On l'a vu le film, Hooligan, ouais, Millwall. Exactement. Et donc, les supporters en fait, de Millwall n'avaient pas accès au stade. Ce sont les deux seuls matchs où nos supporters pouvaient pas les supporters des deux équipes ne pouvaient pas se déplacer. Ouais, d'ailleurs... Tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. Nous, on se fait caillasser. Hein. C'est qu'on a vu ces dernières années, hors confinement, on ne peut plus se déplacer. C'est-à-dire qu'il y avait, je crois qu'il n'y avait pas de supporters stéphanois l'année dernière, il n'y avait pas de supporters lyonnais. Au retour,
on aseptise un petit peu tout, et c'est un peu dommage. Tu vois, on est rentré un peu dans une ère de, voilà, d'aseptisation. Donc là, tu as un confinement, tu n'as personne dans le stade. Mais bon, voilà. Voilà. Est-ce que oui. C'est drôle de faire des derbies avec les supporters adverses? Donc, franchement, ça devient ça. Franchement, c'est triste. Les rivalités. C'est ça le folklore du foot. Bah ouais. Tu te dis, à un moment donné, t'as un gros derby, le parkage il est plein, quel que soit le résultat, mais voilà, ça chante, même si ça se chante. Mais le problème ici, c'est que y a pas, en fait, la sécurité n'est pas assez renforcée. Mais ça dérive pas à gérer. On n'arrive pas à gérer. Et voilà, on n'arrive pas à gérer on n'arrive pas à gérer les groupes de supporters finalement, parce que bien entendu, ça peut dégénérer. On n'est pas fous, c'est bien, oui. Donc les préfets, ils préfèrent se dire, ah, je ne vais pas prendre de risques. Ils passent un bon week-end. Comme ça, je passe un bon week-end. Mais non, 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 non. Le mec qui fait le con, ben, il va en prison direct. Banni des stades. Sauf que ici en France, on ne peut pas le faire. Si tu fais le con, bah, tu vas un petit peu en garde à vue, puis après tu peux machin, ou bien tu prends un an de suspension, et puis par contre tu peux revenir. Bah non. Et toi, pourquoi les places aussi, je vais dire aussi mes souvenirs, mais pourquoi aussi les places sont démesurées dans les tarifs en première ligue? C'est également aussi pour, par rapport à ça, c'était pour effacer le hooliganisme, le gommer des stades. Et maintenant, c'est ce que disait Jean-Michel Aulas, je sais plus il y a combien de temps, mais il expliquait que si on veut finir par avoir des places à 150€ minimum pour aller voir un match au stade, eh ben, on continuera à avoir des tarés dans les stades. Après, oui, c'est vrai que l'encadrement des stades en France, c'est très compliqué, et ce n'est pas que par rapport au derby. Mais quand on a les Marseillais, c'est exactement la même chose. Même quand il y a des Lille-Lens et compagnie, c'est très compliqué. Enfin, ouais, c'est le monde du football en France qui est dramatique au niveau du supporterisme et la protection des stades. Mais après, ouais, pour revenir un peu sur mes moments préférés des derbies, bah, celui qui m'a vraiment marqué, oui, c'était en 2006, c'était le fameux derby 4-0. Où ça commence avec un malheureux CSC de Saint-Étienne. Je crois que c'est Wiltor qui fait tout le boulot pour obtenir ce compte son camp. Après, il y a un penalty de Johnny. J'en ai la chair de poule. Ouais, le double penalty. Ouais. Au premier poteau, il la remet, puis du coup, il la met au premier poteau malheureusement. Enfin, malheureusement, moi, ça m'a bien fait marrer à cette époque. C'est après, je crois que non, c'est Fred qui met un but magnifique, un peu, il jongle à l'entrée de la surface, il décale, il frappe un missile. Après, c'est Johnny qui frappe un penalty, qui loupe et qui le retire et qui le remet. Jeannot était comme un dingue. Oui, c'est ça. Ouais, c'était ce match-là où il le retire. Et Pedretti qui vient assommer Saint-Étienne. Ouais, ça, c'est un souvenir qui est excellent. En plus. Avec nos maquillages, enfin la provoque absolue, quoi. C'était la fête. Et le 5-0, comment l'oublier? Moi, franchement, ça me la met comme ça de voir tous les supporters péter un plomb. Puis même c'est vrai que dans le parkage, c'était le feu. Quand on a dû attendre 2 heures de temps pour sortir du stade, tellement on voulait nous tuer et nous tuer réellement. Non, c'est ça qu'on aime, et malheureusement le 5-0 à Geoffroy Guichard, c'est ce qui a signé la fin des déplacements dans les derbies. Et ouais. Ça sera le souvenir éternel. Et merci Nabil. Jus, toi, t'as quelque chose à dire, toi, ton meilleur souvenir? Moi, j'en ai eu plein. Le coup franc de Johnny, le but de Govou, la tête de Dembélé. Je me suis levé. Ouais, sur un sens de support extraordinaire, d'ailleurs. Son mais celle de Briand aussi. Il y a eu aussi. Le but de Briand, mais je garde un souvenir. Moi, c'est un souvenir, en fait. C'est on pas, le connaît. Ouais, et la personne qui l'a mis, en plus, on ne s'est pas concerté avant. C'est on n'est pas bien, on est mal, le match est perdu. 2-0. Il y a une provoque, Guézal, il prend un carton jaune parce que Lemoine, il fait une simulation grotesque. Et Tolisso énervé, il arrive. Une cisaille, mais comme ça. J'étais heureux. On a perdu le match, mais j'étais heureux. Et il est rentré au vestiaire, hein. Il est rentré au vestiaire, Lemoine. Il est parti, il a queue entre les jambes. Ça m'a fait plaisir. Ça, c'est un beau souvenir. Tu simules pas sur des matchs comme ça. Tu cherches, hein, j'ai envie de te dire.
Et il a cherché, il a provoqué, on prend rouge derrière, Guezal, Tolisso. De toute façon, le match était perdu, on avait perdu ce match. Ouais, voilà. Coco, il va venger en plus Guezal. C'est de la vengeance. C'est, on est soudés, on est lyonnais, t'as voulu faire le malin. Voilà. Franchement, de ce match, le match, on a été mauvais, on le perd. C'est le seul souvenir correct qu'on aura de ce match. Et on s'en rappellera dans 10 ans encore de ce tacle assassin sur le monde. C'est méchant, mais dans 10 ans, on en parlera encore du tacle. Et tu viens de faire une passe décisive parce que le dernier thème de notre super live avec Fred Piquion, d'ailleurs, on le remercie encore énormément d'être là. C'est vraiment plaisir. C'est top, top, top. C'est le derby est-il moins savoureux qu'avant ? Fred Piquion. Non, je dirais pas ça. Je pense qu'il est toujours dans les têtes des supporters et des joueurs. Savoureux, ça veut dire que ça voudrait dire que les deux équipes sont dans le haut de classement et au top. Alors qu'aujourd'hui, à Saint-Té, ils sont 15e ou 16e du championnat. Lyon, c'est pas terrible non plus. C'est pas extraordinaire, même s'ils ont un meilleur effectif. Et que je pense qu'aujourd'hui, si Lyon ne gagne pas ce derby à domicile dimanche, c'est que vraiment ils l'auront fait exprès ou qu'il s'est passé quelque chose pendant la nuit. C'est interdit, tu peux pas perdre. C'est impossible de perdre. Pourquoi tu te bases sur le fait que Saint-Étienne soit sous une mauvaise série de 5 matchs sans victoire, de 5 défaites? Je me base que sur Saint-Étienne, il y a moins de talent, beaucoup moins. Non, bon. Beaucoup moins de talent, beaucoup moins d'expérience. Sur une phase descendante au niveau de l'état d'esprit aussi. Et Lyon, par contre, le 4-0 de Monaco, ça fait du bien. Je pense que d'aller faire un résultat à Lille, ce qui n'est pas chose facile, à 10 contre 11, ça aussi, ça peut faire beaucoup de bien. Et le fait qu'ils soient passés à 4 derrière. Ah bah oui. Parce qu'ils sont 3-5-2, bidon. Ouais, parce que sur 3-5-2, je sais pas quoi, bidon là, il était... Il était bidon. Il a été utile sur le 8e. Il y avait trop de joueurs qui n'avaient pas. Enfin, il y a trop de joueurs qui ont pas le niveau technique pour jouer dans cette. Cornet Dubois. Ah, les latéraux. Cornet Dubois, non. Bah, les latéraux, excuse-moi, mais Léo Dubois qui, quand je vois après, on va dire ouais, mais toi t'étais nul, toi. Mais Léo Dubois, l'équipe de France, latéral. Ah ouais. On est d'accord. Non, mais c'est un scandale. Il n'a pas pris Fernand Mendy, qui est titulaire à gauche au Real. Ouais, après, il ne joue pas à droite. Et qui avait joué à droite, qui avait fait. De toute façon, faire un meilleur match que Dubois à l'heure actuelle, c'est facile. C'est ça le truc. Voilà. C'est des mauvais latéraux et c'est encore des plus mauvais pistons qu'ils sont mauvais en latéraux. Donc, non, c'est catastrophique. Après, le 3-5-2 a quand même fonctionné sur le Final 8. On ne peut pas dire le contraire. Parce que voilà, Cornet s'est transcendé aussi. Non, c'est l'Agnac, qui a fonctionné. Oui, voilà, c'est truc en plus. Supplément d'âme. Aujourd'hui, est-ce que c'est normal que Dembélé ne joue pas dans cette équipe? Bah, vu ses prestations, Mais, vu ses prestations, je pense que c'est un bon joueur. Que normalement, la doublette, elle devrait être Depay et Dembélé. De ce que je pense. Ça marche pas. Toi, tu joues en 4-4-2, là. Ça fonctionne pas, ils se marchent dessus malheureusement. Ils mettent de la vitesse sur les côtés avec des joueurs qui, des fois, ils font des contrôles bizarres. Ah ça. Kadewere et comment il s'appelle le plan? Toko Ekambi. Toko. Ah bah Toko. T'as oublié Toko? C'est des bons joueurs de Ligue 1, mais des fois ils font des contrôles bizarres. Des fois, je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Ils font des trucs et tu sens que même Depay il les regarde, il se dit mais avec qui joue, mais qu'est-ce que t'as fait? et pourtant Fred, il y a une progression quand même sur les... tu parlais du match contre Monaco, Toko Ekambi fait une masterclass. Kadewere, alors le coach Rudy Garcia, il est assez dithyrambique avec lui, il est assez élogieux, hein. Il parle d'un joueur qui progresse de jour en jour et qui est surtout très généreux dans les efforts et surtout c'est le seul attaquant qui revient défendre. Il a ça. Mais c'est normal qu'il est généreux. Il vient d'arriver dans un club. Il se dit qu'aujourd'hui, je suis titulaire. Et le coach, il veut que je fasse ça. Bah, je vais faire ce que me demande le coach. Et quand tant que je le ferai, C'est ça. Et bah, je serai titulaire finalement. Mais il joue contre la nature. Il te dit que c'est deux ailiers. C'est pas des vrais ailiers, c'est des faux ailiers. C'est des joueurs d'axe en fait. À chaque fois, ils repiquent au centre. Ce qui est vrai. On les appelle les attaquants d'aile. Les attaquants d'aile. Et paradoxalement, on essaye de jouer sur les centres. Ok. Et qu'est-ce que tu penses, Cornet? N'empêche que ça peut marcher sur certains matchs, oui.
Mais quand même, mais vous êtes, vous les supporters lyonnais, vous avez connu quand même des grands joueurs à Lyon, excusez-moi. On a connu l'excellence, c'est pour ça qu'on non, est. Non, mais nous, nous, ça nous quand va, Kadé Ouellet au coup. Quand il y avait Fekir, quand... la position de balle, ça jouait une touche, deux touches de balle. Bastos. Mais par contre. Tu peux pas voir ça. Ben, moi, j'ai une question pour toi, Fred. Finalement, qui n'est pas à la hauteur, c'est tout. Bah ouais. J'ai une question, Fred, pour toi. Quand tu vois Paqueta, ouais. Ah. Le ballon écoute, qu'il Julien. A, ce joueur, il écoute. Doit se dire... Mais je l'adore, dire, mais c'est pas possible. Le ballon, il passe au-dessus de la tête à chaque fois. Qu'est-ce que je fais dans ce... Qu'est-ce que je fais il a raison, Fred. Il a raison, Fred Piquiole, là-dessus. C'est une équipe qui a un milieu de terrain extraordinaire, mais on balance les ballons. C'est ça, à la Harry Redknapp. Toi, tu balances. À la Samantha. Ouais, mais ça, je pense que c'est des consignes qui sont données par Garcia à Thiago Mendes. Mais bien sûr. Qui sont données à Thiago Mendes de balancer de grands ballons devant. Sinon, il a qu'à aller chercher le profil Guimarães. La tactique, ça va dans les jeux courts. Voilà, mais c'est toi, la tactique. Là, tu mais par contre, vous avez y a le milieu à trois entre Paqueta, Thiago Mendes et Aouar. Mais c'est un bête de milieu de terrain. Mais c'est des joueurs de ballon. Si, c'est des joueurs qui arrivent à se projeter et à se mettre dans les intervalles. Si tu joues pas avec eux et que tu balances justement à chaque fois, tu joues en contre-attaque, tu mets des ballons sur les côtés et tu dis à Toko Ekambi, allez, va courir, le récupérer, ou Kadewere va courir le récupérer. Après, ça devient plus compliqué pour ces mecs-là. Ça devient plus compliqué. C'est pour ça aussi. Mais tu vois. Ouais, je t'écoute. Tu vois, par rapport au coaching, là, j'ai une question, c'est super important par rapport à ce que tu dis. Tu disais sur le plateau d'RMC, alors attends, je vais noter quelque part, tactique, en parlant de Garcia. Tu dis tactiquement, il se cherche encore. C'était sur la fin de Garcia à l'Olympique de Marseille. Tactiquement, il se cherche encore. Techniquement, l'équipe n'évolue pas. Et dans les choix des hommes, il est très bizarre. Mais ça me fait exactement penser à ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais. Donc, tu as eu la vision en fait visionnaire de ce qui se passe exactement actuellement. Donc là, j'aimerais bien que tu nous parles un peu aussi de ça et de Rudy Garcia, parce que c'est lunaire en fait. Ouais, les choix sont lunaires, la tactique est lunaire. Ouais, mais tactiquement, ok, peut-être qu'il a et qu'il fait avec les hommes qu'il a en place. Pour jouer en 3-5, pour jouer en 3-5-2, pour battre City, oui, parce qu'il y a d'autres équipes en première ligue qui jouent comme ça. Il faut jouer très très regroupé. On sait que City, c'est une équipe qui laisse de l'espace derrière. Donc quand on a des joueurs qui vont vite, ben, c'est très bien. Mais pas on a été à Lorient comme ça. Pas dans le championnat de France. Normalement, tu joues en 4-4-2 ou même si on évolue en, parce qu'il aime bien sa défense à 3. Même si on est voilà, à 3-4-3. Voilà. On se dit bon, il aime bien sa défense à 3, de Nayer avec Marcelo et on peut mettre qui à Diomandé. Diomandé qui est bon. Diomandé. Ouais, Diomandé qui est pas mal, mais je pense que il est mieux. Il est plus dans le duel. Ouais, mais physiquement, il tient pas 90 minutes, il paraît. Ouais, sur 45, il a pas fait. Il était dans les îles. L'intensité, c'est chaud. Hein. Donc, et après, dans le milieu de terrain, tu as quand même un milieu de terrain assez sympa. Alors, qui tu fais jouer à gauche? Aujourd'hui, tu peux faire jouer que Cornet. Ou alors est-ce que Rudy Garcia, il a vu tellement Rudy Garcia quand je le vois, il a dit que c'est Cornet. Aujourd'hui, il a un temps d'avance. Parce qu'il a du caca dans les yeux, Garcia. Bon, parce qu'il faut arrêter tout. Cornet, il est vraiment pas bon. Hein. Oui, mais ouais. Non, mais c'est peut-être aussi, ça vient d'au-dessus. Ça vient peut-être d'au-dessus. On a peut-être donné des consignes à Rudy Garcia, des joueurs d'agents ou des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu joues avec Thiago Mendes, Guimarães, Thiago Mendes, Paqueta, Thiago Mendes. Et ensuite, tu joues avec un tout petit peu plus haut, Aouar, parce que lui, c'est un titulaire indiscutable, Depay dans l'axe. Ouais, et après, tu jongles avec Toko Ekambi ou Kadewere à droite. Mais Aouar, il est titulaire indiscutable, mais il est mauvais. Il ne joue pas bien Aouar en ce moment. Aouar, tu dis, c'est un titulaire indiscutable. Mais c'est vrai que là, putain, ça fait combien de matchs qu'on n'a pas vu? Ça fait depuis le Final Eight hein, qu'on n'a pas vu un War au niveau. Franchement. Malgré tout, c'est l'un des leaders techniques de l'équipe. Ouais, mais Dembélé, c'est pareil. Dembélé, c'était un joueur l'an dernier. Et là, cette année, il n'y est pas, tu vois.
et de ne pas être en mieux. Tu joues à 10. Tu joues à 10. Là, contre, quand on regarde le match de Lille, la première mi-temps, on joue à 10 dès la première mi-temps parce que Aouar, il est invisible. Donc, ouais. Et il est fantomatique. Il avait des problèmes physiques. Gros match. Qui est dur quand même sur la première mi-temps parce que il faut de Aouar, je parle. Hein. De Aouar. Ouais. Que la première mi-temps, elle était vraiment très, très bonne. Hein. Enfin, de Aouar, tu trouves ? Pardon ? Tu parles de Aouar. Moi, je dis la première mi-temps de Aouar. D'accord. Ah, d'accord. Ok. Pardon. Ah oui, oui. Non, ah, parce que Aouar, il était fantomatique. Et même, ouais, mais on sent. Je pense qu'il a mal quelque part. Parce que il est là-dedans. Hein. Est-ce que c'est pas un manque de préparation ? Est-ce que c'est pas là-dedans ? Oui, justement, quand on parlait de mental, le faux départ. D'accord avec ça. Il n'est pas parti, peut-être dans le club où il voulait partir. Exactement. Ça s'est pas fait. Les discussions, ouais. Tu sais, c'est facile de dire, ouais, non, je suis pas parti, je suis bien à Lyon. Mais t'en sais quelque chose. L'entourage qui vient dans ta tête. Ouais, tu devais partir. Nanana, comment ça se fait que t'es pas parti ? Bon, allez, maintenant, il faut que tu te remettes. C'est dur, hein ? C'est dur pour des jeunes. Et surtout, Fred, il a été en équipe de France et ça s'est pas très bien passé en équipe de France. Il a fait un match contre l'Ukraine. Et là, heureusement, il y retourne. Donc, ouais, il y retourne, mais le message de Deschamps, je sais pas si tu l'as entendu, il est dur. Si, si, ouais. Il est dur. Très, très dur. Très méchant. Il s'est passé des choses avec lui. Hein. Mais il lui met une claque derrière la tête. Hein. C'est peut-être pour le raisonner aussi. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Toi, tu sais à peu près ce qui... Qu'est-ce qui s'est passé en équipe de France là dernièrement ? Pourquoi il y a un jugement aussi sévère de la part de Deschamps ? C'est dans l'investissement, tu penses ? Après, ouais, son match, il n'a pas été non plus extraordinaire. Hein. Ouais. Son match, c'est un match qui n'est pas bon. C'était compliqué. Il a été un peu à l'image de l'équipe, de toute façon. Hein. Ça n'a pas été non plus une grande équipe de France, extraordinaire. Hein. Non, mais il a payé les pots cassés parce que derrière, il était titulaire à la pointe du Losange. Et le match suivant, je crois, c'était contre le Portugal, il est en tribune. En tribune. Ouais. En tribune, ouais. Mal, ça fait mal. Et c'est une sanction de la part de Didier Deschamps, c'est évident. Et qu'ils disent Didier, il est quand même franc par rapport à ça. C'est que je pense qu'il l'a pris entre 4 jours. Ouais. Je pense qu'il l'a pris entre 4 jours en disant si tu écoute-moi bien, mon petit, si tu veux revenir avec nous, il va falloir que tu changes de comportement et de mettre plus d'agressivité dans ce que tu fais. Il l'a pris parce que Nabil Fekir est blessé. Ouais. Mais je pense que il faut. C'est plus dans le comportement aux entraînements ou en match où il n'est pas assez. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de se faire mal aussi. Là, il est dans un cocon familial à Lyon. Il est tranquille. Il sait qu'il va être qu'il va être titulaire. Donc, est-ce qu'il se fait mal à l'entraînement ? Je sais pas. Ouais, moi, je suis pas au quotidien avec eux. Donc, c'est un peu l'impression qu'il donne. Il est tellement facile dans le jeu, en vérité, que peut-être qu'il se fait pas assez encore plus mal pour aller dans un grand club européen. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu un faux départ. Et qu'ils n'ont pas débloqué l'argent. Et qu'ils n'ont pas débloqué les choses parce qu'il a un talent énorme, ce joueur. Et c'est la vérité. Maintenant, les nouveaux coachs, en tout cas les nouvelles équipes, Ils te choisissent pas comme ça. Hein. Ils te font comme presque un détective privé. Ils viennent te voir. Ils sont là à l'entraînement. Les grands clubs, un petit peu dans ton environnement familial, mais tu sais pas que c'est eux. Ils fouinent un peu partout. Et je suis bien d'accord avec toi parce que tu vois, on parlait du faux départ de Aouar à Arsenal. Qui a été recruté à la place d'Aouar à Arsenal ? C'est Thomas Partey. Et Aubameyang, toi qui suis un peu la première ligue, a dit qu'il a effacé à lui tout seul trois joueurs sur le dernier match d'Europa League. C'est vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, il fait le travail de peut-être deux joueurs, Thomas Partey. Ce que n'est pas capable encore de faire un Oussem Aouar, même si ce n'est pas le même profil. Mais c'est vrai que Thomas Partey, c'est plus dans l'importance. Au niveau du comportement, ça ne va pas, Oussem. Oussem, c'est pas bon là depuis quelques temps. Dans l'implication, dans le comportement hors du terrain aussi, je discutais avec quelqu'un, je tairais le nom, mais qui me disait qu'il avait un comportement, je cite, de racaille, que de toute façon, à côté, c'était dans l'extra-sportif, c'était très compliqué, mais que ça se ressentait aussi à l'entraînement. Donc, il y a un moment aussi, je pense que de lui laisser l'immunité comme ça, c'est pas bon, c'est pas aider le club. Rudy Garcia, en faisant ça, se tire aussi une balle dans le pied.
Est-ce que c'est le problème, ça vient de son poste, de est-ce Moi, je que pense. Oussem Aouar est un 10, meneur de jeu? Moi, de mon Non. point de vue, je pense que c'est plutôt un attaquant à gauche. Je le vois plus en numéro 11. Après, voilà, Genesio l'avait exploité à ce niveau-là, il a été très bon. Mais tant Il que manque l'implication vitesse quand sera même, mauvaise, quoi. je le mettrai sur le L'attaquant, banc. il manque un peu de vitesse, non? Et toi, t'as Non, pas il déborde il bien. est vachement percutant. Hein. Il Il déborde déborde bien, bien, puis il est franchement, Fred. percutant. Moi, je me Non, mais rappelle d'un c'est un War jeune qui était bon en 8. Ouais, il Hein. est percutant. Mais après, il faut que le ballon il arrive dans ses pieds, quoi. Ah, mais alors Là, ça, c'est encore. Ça, c'est ce tout le qui, c'est problème. l'environnement qui l'entoure, quoi. C'est ça. Ouais, Oussem Aouar, c'est un petit peu malheureux, mais tu vois, par rapport à un Depay, lui, pour le coup, il a digéré ce transfert non fait au FC Barcelone, carrément. C'est pas le C'est même vraiment mental. le Les jour et la implications, nuit. tout de suite. C'est le Ah, bah jour oui, et la clairement. nuit. Ouais, mais Ouais, t'as pas la même c'est expérience. pas C'est pas le pareil. même mental. Moi, je pense qu'Arsenal a fait miroiter à Wissem qu'ils allaient le prendre. Vraiment. Bah, comme Barcelone Barcelone, avec Depay, hein. Ouais, Ils mais partaient attends, à parce que Barcelone, ils n'avaient pas l'argent. Il a raison. Arteta le voulait, mais pas Edu. Je crois qu'il y avait un truc comme ça, le Bah, directeur général. Koeman Enfin, le je me voulait, rappelle, mais pas le je pense Barça. qu'il a, il s'est fait jusqu'au dernier moment. Et on avait vu les discussions même de Juni jusqu'à la fin du mercato. Il disait, ce soir, Wissem, il peut partir. Mais donc, Oui, mais ça veut dire que les discussions entre les deux clubs étaient encore là. ouais, bien sûr. C'est le Donc, problème c'est vient pour ça, peut-être moi, je pas pense que de. Arsenal a fait miroiter Wissem jusqu'au dernier moment. Moi, je pense pas que ça soit Il ça. y a Je même pense que c'est un problème entre agents et entre personnes qui entourent Oussem Aouar. Parce que ça sentait très très bon à aussi Arsenal, à ce bah, qui paraît. l'ambiance. Et voilà, on verra avec le temps parce qu'il y aura sûrement des informations qui se Ça veut distilleront croquer, avec le quoi. temps. Mais voilà, quand la famille veut un peu trop croquer et que l'on dit, ouais, ben, j'allais dire mon frère, entre guillemets, mais voilà, voudrait venir au club. Mais par contre, je sais que votre soupe est très bonne. J'aimerais en avoir l'occasion de la goûter. Bah ouais, ça vient de là aussi le problème. Et ça, c'est un cancer pour le monde du foot et de plus en plus. Et Romain Molina le dit dans plein de ses C'est ce vidéos. qui se Il dit, explique hein. clairement, dans le milieu du foot, les frères, les sœurs, les tontons, les machins, ça essaye tellement de croquer que ça amène vraiment C'est la à la Farmer perte League. de certains joueurs. C'est Tu n'importe valides quoi. ça, Fred Picon? Tu valides, Ouais, moi Fred, je valide le fait que totalement l'entourage l'entourage. est absolument dégueulasse et qu'en ce moment, le foot, c'est une mafia complètement? L'entourage familial ne Ouais. doit pas être. À part si vraiment tu as fait des études de Bah, regarde, droit, t'avais Nico quoi. Anelka. Nico Anelka, c'était déjà ses frères. À l'époque, Ouais, qui mais menait ses. ses frères, ils ont fait des études de droit. Ses frères ont Ouais. des diplômes en commerce international. Tu vois ce que je veux dire? La différence, elle est là. C'est que tu peux pas te. Aujourd'hui, tu peux pas te prétendre agent. Agent, c'est un métier. Il y en Ouais. a combien aujourd'hui? Il y en a combien Exactement. qui vont à l'examen d'agent et qui l'ont pas en plus? Qui l'ont pas. Ouais, exactement. Tu Ouais, payes une somme énorme parce que tu dois avoir la licence 10 000 euros. pour être réglementaire en France. Et quand tu vas à l'étranger, tu as juste à t'ouvrir une boîte postale pour être agent. C'est pas normal. Il faut que l'UEFA aussi se penche sur ce cas-là. Parce que Ouais, c'est c'est un trop facile. milieu. Demain, je suis Pizzaiolo, quand je repère un jeune, je l'emmène à Ouais, Manchester c'est ça. United. Mais je suis pas agent. Je suis pas agent. Je vais négocier un truc parce que en fait, c'est le club qui veut tellement le joueur qu'ils vont me donner à peu près ce que je veux. À peu près ce que je veux. Dis-toi qu'il y C'est a pas même comme ça. certains journalistes, j'ai eu vent de certains journalistes qui font ça. C'est-à-dire qu'ils font Bien leur sûr. métier de journaliste, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils repèrent des jeunes, par exemple, à l'Olympique lyonnais, et Ils ensuite, ils monnayent. Ils monnayent, ils scoutent, quoi. monnayent. Ça a été le cas Ouais, avec bien sûr. Cherki Ouais, notamment. c'est du scouting. C'est du scouting. Et c'est Ouais, c'est interdit du ce scouting. scouting. C'est pas Mais normal. même les agents travaillent énormément avec les familles et c'est de la lobotomisation. Les agents, ils travaillent dans l'ombre à aller voir Tati et puis on va voir papa et puis après en parallèle on va aller voir maman et puis le frère, le machin et puis on essaye de tout enfiler tout le monde et c'est dramatique. C'est dramatique pour le foot, c'est dramatique pour les joueurs et l'évolution des joueurs. Et je pense que des joueurs qui commencent à être pollués par cet univers-là, il y en a énormément, et c'est que le début de l'enfer. Ouais, je Bah, pense qu'à ton époque, Fred, d'accord. c'était moins ça. C'était moins ça à ton époque, quand même. Bah, c'était moins ça. Aujourd'hui, les agents sont obligés de se protéger en faisant signer des contrats. Tu imagines, tu signes des contrats Ouais. à 11, 12 ans, 13 ans. Comment tu sais que le joueur va être. Tu dois être C'est que de la sous spéculation, mandat, c'est ouais. pas possible. C'est pas possible.
Moi, à l'époque, j'avais avec l'agent du, avec mon agent, j'ai jamais signé de contrat. C'est Fred Guerra. Dans la main, quoi. Pardon ? C'était qui ton agent, Fred Guerra ? Non, Tiaziri. Ah, t'avais le même agent Karim, que Karim. Ouais, d'accord. Quoi, ouais. Incroyable. Et donc, j'ai jamais signé de contrat avec Karim. Mais aujourd'hui, t'es obligé. Aujourd'hui, moi, je suis dans les médias, mais je suis aussi, je fais un peu de coaching individualisé avec quelques joueurs, des jeunes joueurs. Ouais. Et je me suis mis en collaboration avec un agent qui s'appelle Joachim Batica, okay. qui est agent fédé depuis 14 ans et qui a sa licence. Et en fait, on est ultra complémentaires et surtout juridiquement, on est bien parce que lui, son contrat est enregistré à la Fédération française de foot. Et notre contrat à nous est aussi enregistré à la Fédération française. Ça veut dire que moi, si on me demande si je suis agent, je dis non. Moi, je ne suis pas agent. Par contre, si tu veux du coaching, tu veux de l'analyse, tu veux des choses pour devenir pro, ça, je peux faire. Ouais. On ne va pas me demander d'aller conseiller avec un directeur sportif pour te faire un contrat d'agent. Je ne sais pas faire. Tu vois, c'est le cas un petit peu, on parlait d'Oussem Aouar, mais il y en a un autre qui fait un petit peu peur aussi dans l'effectif par son temps de jeu. Et pourtant, c'est un talent, c'est Ryan Cherki. Une minute de jeu sur les quatre derniers matchs, un salaire. Bah justement, je me demandais s'il n'était pas blessé. Attends, non, il n'est pas blessé. Et, non, c'est Garcia qui est blessé. 120 000 euros par mois, 120 000 euros par mois à 17 ans, le garçon. Et Rudy Garcia, il se méfie un petit peu. Il l'a toujours dit, c'est quelqu'un qui est beaucoup flatté. C'est quelqu'un qui a même menacé de partir via son entourage cet été. 17 ans, hein, le garçon. Hein. Quelqu'un aussi, attention, Olas a dit, si Depay part, on a un deuxième Depay dans l'effectif, c'est Cherki. Tu vois, il y a une espèce de jeu malsain, je trouve, autour de Ryan Cherki. Et franchement, une minute de jeu en quatre matchs, ça sent un petit peu le rouge. Mais j'ai envie de te dire, Thomas, il n'y a pas que lui. Tu vois bien la Ligue 1 aujourd'hui. Oui. Tu vois Adli à Bordeaux, il a une tête comme ça. Ah ouais. Tu vois à Santé. Tu vois aujourd'hui les jeunes, pour les sécuriser, les clubs leur font signer des contrats, c'est un truc de fou. 120 000 euros, tu vois ce que c'est. À l'époque, toi, quand tu étais à l'OL, 120 000 euros, c'était un énorme salaire déjà à l'époque. Mais déjà de fou. C'était un salaire énorme. Aujourd'hui, 120 000 euros, on dirait que c'est 12 000 euros. Ouais, à 17 ans, tu prends plus contrat euros, avec Adidas. Un contrat, il touche pas mal Cherki avec Adidas. Hein. Donc, tu vois, aussi, c'est le truc. Il est génial. Non, mais c'est extraordinaire. Avant, il fallait faire une dizaine de matchs pour aller. C'est ça. Il a fait quoi, Cherki, aujourd'hui? Aujourd'hui, parce que tu joues en équipe nationale, en équipe de France, en U16, U17, et qu'il y a une équipe comme Manchester et machin qui vient te voir, ils te disent, viens signer pro chez nous. Ton club, bam, ils te mettent un contrat pro, ils te mettent dans le pro, ils te prennent une tête machin comme ça, et puis après, ça y est, mais il y en a plein qui. Mais il y a plein de joueurs que vous allez voir. Et surtout, je te parle de Cherki, mais il y a une jurisprudence Cherki maintenant, parce que tous les jeunes qui doivent signer leur contrat professionnel, il y en a plusieurs à l'OL, hein, eh bien, il y a la jurisprudence Cherki, ils touchent 120 000 euros, ben nous, on veut pareil. Par contre, ils devraient se regarder un peu le nombril avant de parler, parce que les jeunes du centre de formation n'ont pas tous le niveau de Cherki non plus. Ouais. Malheureusement, c'est qu'on fait miroiter à tous les jeunes que c'est le futur Benzema, etc. Tu vois. Mais ça, c'est incohérent en fait par rapport à la conjoncture. Très juste, Jordan. Tu sais ce qui fait la différence aussi, Jordan, c'est que par exemple, quand t'es en U19 en équipe de France. C'est pas tous les joueurs de l'équipe de France qui sont à Lyon ou au PSG. Il y en a qui sont peut-être à Brest, il y en a un autre qui est au Havre. Mais le petit du Havre, là, qui a la charte, qui a 3000 euros, comment il fait L'autre, il est titulaire au Havre, qui a 3000 euros à la charte. Et toi, tu arrives, tu n'es même pas titulaire en Ligue 1 parce que tu joues à Lyon ou au PSG. Tu es dans l'équipe et tu es à 40 000, 50 000 euros. Tu vois, c'est parce que le blason, en fait, le blason donne une valeur au joueur. Malheureusement, un joueur qui a été formé au centre de formation de l'Olympique Lyonnais n'aura pas la même valeur marchande qu'un même joueur avec un même parcours, le même âge, etc., d'un joueur du Havre. Alors qu'on sait très bien en plus la qualité des joueurs du Havre. On connaît énormément de bons joueurs
Je ne vais pas dire d'immenses joueurs parce que ce ne serait pas vrai, mais beaucoup de bons joueurs qui ont un super niveau et qui sont sortis du Havre. Donc voilà, c'est vrai que maintenant, le blason crée une valeur marchande sur le dos du joueur. Le blason et la sélection, parce que aujourd'hui, quand tu es international français, tout de suite, tu prends un peu plus et les agents le savent. Hein. Fred, je parle des binationaux, beaucoup de binationaux. Ryan Cherki notamment, Oussem Aouar qui n'a pas voulu rejoindre la sélection algérienne, pourtant il y a eu des appels du pied de Belmadi. C'est ça, aujourd'hui, quand tu es international français, les clubs le savent, Jean-Michel Aulas le sait. Il a tout intérêt à Fekir, il lui a forcé la main pour aller en sélection française. Après, bah, il est champion du monde, Fekir, mais on sait très bien que la valeur marchande, elle augmente si tu es international français. Toi, regarde, tu étais international français, forcément, ta valeur, elle a dû augmenter quand tu es passé international. Ouais, elle a augmenté, bien sûr, elle a augmenté parce que je suis passé international, j'avais mes chaussures gratuites, donc ça, c'était cool déjà aussi. Tu as récupéré tout l'équipement gratos. Donc ça, c'était cool. Non, mais blague à part, effectivement, après, les salaires de l'époque, c'était pas du tout ce qu'il y a aujourd'hui. Franchement, Karim avait déjà un bon salaire à l'époque. C'était fou là, on a vu, c'était Karim, 400 millions à l'époque. Très, très bon salaire à Lyon. Ouais, mais peut-être que Karim ça a augmenté au prorata de ce qu'il faisait sur le terrain, ouais, la Ligue des Champions, etc. Ouais. Karim à 17 ans, il n'avait pas non plus le meilleur salaire voilà. du club. Ouais. Il a exactement. Prouvé sur le terrain, les meilleurs joueurs de Ligue 1, meilleur buteur, et voilà. Après, c'est normal. C'est peut-être pour ça que, Fred, franchement, après, toi qui as vu les matchs européens cette semaine, c'est peut-être pour ça qu'on a des clubs français qui sont absolument zéro en Coupe d'Europe, parce que je crois qu'on les voit trop beaux en Ligue 1. Il n'y a pas le niveau. Mais je vais aller même plus loin que le salaire. Moi, je pense qu'il y a un problème de formation en France. Je te parle de quelque chose de technique, toi qui es un peu coach, notamment les ressorties de balles sous pression. Toi qui as vu la Ligue des Champions cette semaine, tu vois que les milieux de terrain français, ils ont extrêmement de mal à se retourner sous pression pour aller face au jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, c'est une clé dans le football moderne, les ressorties de balles sous pression. Et c'est un problème de formation. Leur orientation des épaules n'est pas de trois quarts. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils viennent chercher les ballons, ils sont face au ballon. Donc après, pour te retourner, il faut le contrôle parfait, il faut le contrôle orienté extraordinaire. Et puis surtout, la distance, savoir ce qui se passe. Tu as tourné une jolie émission là-dessus sur RMC. Tu vois ton jeu, c'est plus facile pour toi. Tu es déjà de trois quarts, donc tu vois un peu ce qui se passe autour de toi. Mais si tu viens chercher de face, il faut que tu regardes à droite, il faut que tu regardes à gauche, il faut que tu fasses ton contrôle. C'est trop tard. Là, l'intensité, tu joues contre des équipes, elles ne sont pas moins chaudes. Ouais. Et la question, c'est pourquoi eux, ils y arrivent ? Sauf Marseille. Et toi, tu n'y arrives pas. Pourquoi les autres équipes, Midtjylland, c'est pas une équipe de fou, Midtjylland. Ils ont même pas le budget. Je ne sais même pas si ils ont un budget de ouf. Attends, tu sais que leur attaquant, c'est l'ancien attaquant Dijon dans la pire difficulté du monde avec le club. Et il a été transféré là-bas et c'est l'attaquant titulaire. C'est voilà, la mentalité qui n'est pas bonne aussi. Lorsqu'il est en Ligue 1, il marque 2 ou 3 buts. Mais pourquoi ? Non, mais c'est la mentalité. C'est la mentalité. Ah, en France, on a une mentalité. Déjà, quand tu vois les entraînements de Lyon cette semaine, franchement, j'ai déjà envie de mettre des claques. Non, mais attends, il y a de l'intensité. Il y a un derby, les mecs, ils n'en mangent pas une. Il y a de l'intensité. Je croyais que ça allait mieux. C'est une intensité de fou. Je croyais que ça allait mieux. Ouais, c'est ça. Ça va mieux. Mais regarde la charge que tu mets. La charge que te met Max Lopez, qui a signé à Sassuolo avec des Zerbi, il paraît que là-bas… C'est toujours pareil. Dès qu'ils partent, allez, on s'entraîne 3-4 heures, l'intensité, c'est pas pareil, et ceci, et je vais voir mon préparateur physique. Regarde la question. Est-ce vrai qu'on travaille moins qu'en France qu'à l'étranger ? Tu es d'accord pour dire oui ? Bien sûr que oui. Bien sûr. Bien sûr. Après, mais moi je ne sais pas, parce que tu sais, à un moment donné, moi je me rappelle à l'époque, même quand je demandais du travail en rab et tout, ah non, il faut me se reposer, il y a un match dimanche. Ouais, on cajole les joueurs. Et ça, aujourd'hui, ça existe encore. Les préparateurs physiques, ils sont frileux. Donc, alors qu'à l'étranger, franchement, tu t'entraînes lundi, c'est grosse intensité, mardi, c'est grosse intensité, mercredi, c'est grosse intensité, jeudi, tu travailles à grosse intensité, vendredi, pareil, t'as le match le samedi.
grosse intensité. Et après, bon, t'es de repos le dimanche. Mais tout est fait avec de l'intensité. Ouais, donc tu es d'accord. On a eu un débat, Fred Piquen, sur cette émission après le match contre Lille. On s'est dit, waouh, putain, on a fait un exploit. On a fait match nul contre Lille. Oh, magnifique. Ah ben, nos joueurs, ils se sont donnés. Ils étaient à 10 contre 11. Ils se sont donnés. Oh, les gars, un match par semaine. Les deux là-haut, ils n'étaient pas contents. Les deux en bas, ils étaient contents. Et ils ont rien. Et moi et Jordan, on a dit, on se contente du nul. Parce que c'est un bon nul qu'on est allé chercher. Et les deux autres en haut, ils ont dit, on joue comme des trompettes, en gros. Hein. Voilà. En gros, c'est ça. Je veux dire, d'où tu te plains? C'est quoi l'ambition? Tu joues un match par semaine. Un match par semaine. Tu dois être. Merci, Julien. Tu as de l'intensité. Non, mais c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas normal qu'on se dise qu'on est crevé. Je t'ai dit que je me suis ennuyé, j'ai le droit de m'ennuyer. Ah, bien sûr. Tu as ce que je veux dire, Fred. Regarde, après, toi qui as commenté les matchs de la Ligue des Champions, t'as vu comme ça charbonne. Les mecs, ils rejoignent le championnat derrière. Ils ont un match de Ligue des Champions par semaine. À un moment donné, on se dit, waouh, un partout contre Lille. Et Lille gagne 3-0 contre Milan. On se dit, ah ben regardez, ils ont fait un exploit là-bas. C'est un super résultat. C'est bon. 1 à 10, c'était un bon résultat à mes yeux. Voilà, avec une équipe qui s'est battue, qui a bien défendu un deuxième, qui malheureusement n'a pas proposé de jeu, mais à 10, tu ne proposes pas de jeu face à Lille. Donc moi, j'ai trouvé que le match, il y avait des battants sur un terrain. Et c'est, mais c'est même à 11, c'est un bon résultat. Non, mais ce qui est chiant, c'est que après... le carton rouge, il te tue le match. Merci. Voilà, le carton rouge, Martino, il est bête. Non, mais il est mérité, non, mais... son carton rouge. Il est mérité. Le carton rouge, il change totalement le match. Après, voilà, moi, où je vais pouvoir rejoindre Hugo pour sa défense, c'est que je comprends en fait le fait qu'il faut avoir des ambitions de jeu. Et si on aurait eu les ambitions de jeu déjà les années précédentes ou les mois précédents, on n'aurait pas eu cette problématique d'être dans le besoin de points, etc. Donc là-dessus, je rejoins Hugo de ce qu'il disait. Après, moi, sur ce que j'ai ressenti du match, c'est que c'était deux matchs différents entre la première et la deuxième mi-temps. Première mi-temps, après avoir re-regardé le match, elle était correcte. Il y a eu 32 minutes. Il y a 32 etc. minutes, bien. Ouais, exactement. Non, c'est vrai, je l'ai dit à la mi-temps. Hein. Sur la deuxième mi-temps. C'est Kanewere, il n'empêche pas Toko. Bien sûr. Il n'y a aucune garantie que Toko la mette non plus. Oui. Non, mais là, il y aura peut-être le poteau. Mais là, il n'a pas eu de cerveau, excusez-moi de le dire. Comment il n'a pas eu? Il va dans la profondeur, il va vers le ballon, tu sais qu'il va l'avoir. Pousse-toi, va sur le côté. Tu t'écartes, quoi. Bah non, tu viens, tu vas le tamponner presque. Tu vas le tamponner, tu vas l'empêcher pour l'empêcher. Ouais, mais c'est le QI foot, ça, après. Non, là-dessus, je suis d'accord. Mais tu vois, ce fait de jeu est moins important que le fait de jeu du carton rouge. Oui. Ouais, mais le carton rouge, il est mérité. Oui, mais il est mérité. Bien sûr qu'il est mérité. Il nous est imputable. Il dit, je vais au contact, je monte de la tête. Non, mais il est mérité, le carton rouge. T'as toutes tes mains sur le gars, tu lui mets un coup de tête et tu dis que tu montes de la tête. C'est pas vu, ça. Moi, j'appelle pas ça. Mais le deuxième, mais Fred, t'as totalement raison. Tu le défonces à 60 mètres de tes buts, alors que t'as tes milieux qui reviennent. Mais recule. Fais un recul franc. Et puis tu restes à 10. Ne me dis pas que là, Garcia est fautif aussi. Garcia est fautif aussi. Il voit que son défenseur central prend un jaune au début de la première mi-temps. Je suis pas d'accord avec toi, Joe. Je suis pas d'accord avec toi. L'expérience de Marcello, et ça fait combien de temps qu'il est dans. Ça, c'est de l'intelligence de coaching. C'est de l'intelligence de coaching. Quand Rudy Garcia nous bassine avec ses 5 changements, où il nous casse littéralement la tête avec ses 5 changements, il ne les fait jamais. Et là-dessus, je suis désolé, mais si tu as un minimum de jugeote, tu sais que ton défenseur central, qui a des passifs, où tu sais très bien qu'il en a pris des cartons rouges, tu sais qu'il va la faire cette faute. T'en es même certain qu'il va la faire cette faute. La question, c'est... quand est-ce qu'il va la faire? Mais tu réfléchis pas. Tu aurais un peu plus de recul. Tu fais rentrer Diomande, Bellamy dès la mi-temps. Ouais, mais dès la mi-temps. Je suis d'accord, mais contre Saint-Etienne, tu pourras pas que te contenter de jouer défensif. Donc, si on doit se projeter sur Saint-Etienne, on aurait très bien pu aussi développer du jeu et se rassurer pour Saint-Etienne.
Là, je te rejoins, Hugo. Il dit, voilà, je vous comprends, vous vous plaignez qu'il n'y ait pas de jeu, mais les gars, ça fait 4 ans. Je ne me plains pas, je m'ennuie, c'est tout. Ouais, ça fait 4 ans, on va s'ennuyer encore. On va s'ennuyer encore, ça fait 4 ans. Je sais bien. Ça fait 4 ans, il n'y a aucune identité de jeu dans cette équipe. Depuis Fournier, il n'y a pas d'identité de jeu. On se bat sur des exploits individuels, sur du jeu en contre. Donc, ça ne sert à rien. On va encore se plaindre ce week-end. On va encore se plaindre ce week-end. Et quand il dit Pichon, Paqueta, il doit en avoir marre de voir passer les ballons au-dessus de lui. Mais il a raison. Mais c'est une consigne. À tous les coups, c'est une consigne. Non, mais attends. Quand je te dis qu'on salit Paqueta, moi, j'ai écouté la conférence de presse tout à l'heure de Rudy Garcia. Il a insisté sur le fait que dans cette équipe, il fallait remplacer un certain Marçal, qui était un guerrier. Et donc, heureusement, on a recruté Bellamri. Marçal, je crois que sur 2 ans, il a dû faire... Marcello est un véritable guerrier. Et il a dit, un troisième guerrier dans cette équipe, c'est Lucas Paqueta. Tu vois ? Donc, contre Saint-Etienne, tu vas devoir gagner. De Garcia, c'est plutôt, je veux une équipe de guerriers, une équipe qui sache défendre, etc. C'est vrai que ça manquait à l'Olympique Lyonnais. Contre Saint-Etienne, il faut gagner. Après, on va dire, mais on va se faire rentrer dedans aussi. Il faut produire du jeu. Il faut produire du jeu, un minimum. Bien sûr, tu dois te rassurer. Bien sûr, il faut te rassurer. Et te régaler. Exactement, il faut gagner. Après, on va dire, mais ils ont mal joué, mais nous, on voulait gagner, même si c'est 1-0. Mais non, il faut bien jouer, il faut produire quelque chose. Parce que si Rudy Garcia il veut aussi revenir un peu dans le cœur des supporters, il va falloir se remette en question. Et dans l'exigence. Bien sûr. Franchement, il pourra faire ce qu'il veut. Il pourra faire ce qu'il veut, Garcia, Frédéric. Il pourra faire ce qu'il veut. Il ne reviendra pas dans le cœur des supporters. Il n'a jamais été dans le cœur des supporters. Hein. Comme ça, c'est réglé. Je dis pas pour moi, mais regarde, il va en demi. Il va en demi. Et il n'est toujours pas dans le cœur des supporters. Il va en demi. Il n'est pas dans le cœur. Quand tu n'y es pas dans le cœur des supporters. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi ? Mais il ne propose aucun jeu, mais pas que lui. C'est pas le seul. Pas que lui. Mais à la fin, quand tu joues que le résultat, à la fin, tu ne retiens rien. Tu ne retiens pas le coach parce qu'il ne t'aura pas laissé des émotions. C'est pareil pour un joueur. Donc, contre Saint-Etienne, je suis désolé, il doit apprendre à développer du jeu et à rassurer ses joueurs offensifs. Tu ne peux pas rester comme ça. Oh, moi, je suis d'accord. Hein. Moi, le premier, j'aimerais me régaler dans un match. Mais ça fait 4 ans que c'est comme ça. On va compter sur Memphis pour nous sauver. On va avoir un exploit peut-être de Paqueta parce que malgré tout, je le trouve quand même relativement bon. Il ne peut pas faire d'exploit. Il joue à 70 mètres du but. Voilà. Les gars, on va peut-être libérer M. Fred Pichon. Julien, il n'en peut plus. Ah ouais. Non. Il a donné le résumé du match. Hein. Qui, moi ? C'est vrai. Ouais, Julien a donné le résumé du match, c'est ça. Mais ça fait 4 ans que c'est comme ça. Ça fait 4 ans. Un pénalty de paille, une balle en profondeur de machin, une petite boulette, peut-être une petite boulette... De Jesse Moulin, et puis ça passe. Ça fait un moment qu'il n'y a plus de jeu à Lyon, et c'est pas que sous Garcia, sous Genesio, c'était des exploits de la Cazette. Quand c'était pas la Cazette, c'était des exploits de Memphis. Rien qu'à regarder les stats, vous regardez les stats de Memphis. Je l'ai dit l'autre fois dans un live, il a 97 fois décisif sur 140 matchs. Bah oui, mais il faut être exigeant aussi. Stratosphérique. Mais il n'y a pas de jeu. Si tes supporters ne sont pas exigeants, et ben finalement, tu vas faire le service minimum et ça va passer. Mais désespéré. C'est vrai. Les gones, on va peut-être libérer M. Fred Pichon. On va libérer peut-être M. Fred Pichon quand même. Tu es resté vraiment longtemps. Écoute, merci. Il a eu des super messages là. On te doit combien ? C'est Thomas qui paye. On te doit combien ? Non, tu sais quoi ? Tu m'inviteras à la brasserie de l'Est. Ah ouais. Tiens, c'est noté. On va tous manger ces bocaux. Non, mais c'était passionnant, Fred. Merci. Et franchement. Lyon retournera en équipe. Parce que l'année dernière, je suis venu combien de fois l'année dernière ? Leipzig, déjà ? Presque toute la Ligue des Champions, hein, au stade. Ouais. J'étais venu et tout, on faisait l'after la veille en plus. Ouais. À la brasserie aussi, non ? Et au match, c'était bien sympa. Non, mais franchement. Il y a un truc à faire, c'est d'aller au musée du club aussi. Ah, tu vois. Bah, tu nous présenteras Jean-Michel. Il est très sympa ce musée d'ailleurs. Ouais, et un petit mot pour Jean-Michel Aulas, t'as pas un truc à dire sur Jean-Michel Aulas ?
Le King. Non, je pense que non, c'est franchement c'est le franchement, c'est, le hein, c'est un visionnaire ce type. Ouais, c'est ce qu'on dit. Michel Aulas, c'est un visionnaire. Après, je pense que sur les dernières années, c'est un peu, il s'est un peu trompé, il s'est un peu bourré sur le sur ses choix de coach. Managing. Parce que, alors, l'erreur est humaine. Je pense qu'il faut vraiment un top coach. À un moment donné, il faut casser la tirelire. Pas que sur les choix. Oui. On le dit souvent. Et tu dis tout fort ce que les millions de supporters, enfin milliers de supporters pensent. Que voulez-vous, les gars? Il a fait un stade d'un milliard, il faut le rembourser. C'est vrai. Non, mais on le respecte, hein. Moi je l'admire. Hein. Tant que, c'est tant le plus que, grand tant président de la France est connu. Je pense vraiment, quand le stade va être remboursé, que là, il va mettre, là, ça va être du paquet. Hein. Parce que tout, là, il va aligner la caillasse. Ça sera du paquet. Hein. On n'aura plus les cornets du bois? Tu nous le promets. Ciao. Fred. Ouais. Juste avant qu'on te laisse et qu'on clôture cette émission, tu vas nous donner quand même un prono. Bah oui. Pour le derby. Derby. Moi j'ai dit plus 3 Lyon. Bah 3-0, ouais, il a raison. 3-0 au moins plus 3 Lyon. Pour être objectif. Ouais, plus 3, ouais. Tu les vois marquer les chiens verts ou pas? Pardon? Tu les vois marquer les chiens verts ou pas? Non, franchement, aujourd'hui, non. Non, non. On est d'accord. Je ne vois pas du tout marquer. Je vois pas. Il y aura peut-être des situations chaudes. Bah, il y a pas. Y a... Franchement, je ne les vois vraiment pas gagner à Lyon aujourd'hui. Il n'y a plus Marsal pour marquer contre son camp, donc ils peuvent pas marquer Saint-Etienne. Non. C'est vrai. Et Fred, donc on peut te retrouver sur RMC Sport. Hein, tu commandes pas mal de matchs. Le week-end, je fais la Ligue 1. Ouais. En radio. Ouais. Et RMC Sport, ouais, sur de la PL ou sur la Ligue des Champions et de l'Europa League. Après, je fais l'Europa League, je fais souvent le match sur le RMC Story. Ouais. Oui. Ouais, franchement, bien. Et t'as pris de la bouteille, hein, sur les commentaires et tout, hein. Moi, je te suis depuis que t'es arrivé sur RMC, que tu commentes la première ligue. C'est quand même, on va dire, c'est comme des entraînements, c'est quand même match de foot, hein. Tu t'améliores. Et puis ce qui est bien, c'est que comme dans le live, tu vois, t'es brut de décoffrage. Tu sais, tu vois. Tu naturel. Vois, qui te plaît pas, tu le dis tout de suite. T'as l'œil technique de l'ancien. Ça, c'est bon, ça. Tu vois, un peu comme Bodmer aussi, dans le style. Ouais, j'aime comme bien. Ça, c'est bien, tu vois. Ouais, ouais, à téléfoot, ouais. Très cool. Très sympa. L'œil de l'ancien joueur, comme ça, tu vois, ça, c'est le vrai rôle d'un consultant. Ouais. Ça, mais t'as mieux choisi ton équipe que Bodmer, je pense. Parce que téléfoot. Il y a bien qu'un seul côté positif, c'est bien que Bodmer sur téléfoot. Hein. Il n'y a que ça. Hein. C'est vrai. Ouais, moi je suis un peu critique, je suis un peu comme vous. Moi, téléfoot, c'est. Moi, je regarde les matchs sur RMC Sport, moi, Ligue des Champions. Bah, moi, je préfère. D'accord. Ouais. Et vraiment, merci beaucoup. Fred, merci à vous, les gars. C'était non, mais franchement, on a eu des messages que ce live était passionnant et je trouve vraiment que c'était peut-être l'un de nos meilleurs lives. Et surtout avec un ancien joueur. C'est sympa, Fred. Ça va aller, ça allait bien avec le personnage. C'est sympa, top niveau. Et il faut le dire, tu vois, parce qu'on a de l'image de joueur, de machin. Non, quand les choses sont bien, quand les gens sont sympas, il faut le dire. Et franchement, c'était un plaisir énorme de faire ce Merci à vous d'avoir invité. Franchement, merci beaucoup. Et alors ouais, Fred, Lyonnais ou Stéphanois? Mais Lyonnais. Moi, je suis parisien, les gars. Non. Désolé, la langue de bois à la fin. Non, mais c'est les réponses que je dis à tout le monde. J'ai grandi à Paris. J'ai pas cette culture de voilà, lyonnais. C'est un titi parisien. Mais je suis pas spécialement supporter de Paris du PSG. Hein, c'est pas ce que je dis. Mais j'ai grandi à Paris. C'est là que je vis. Donc voilà. Ouais, t'avais dit quand même que quand t'as signé à Lyon, t'as dit que tu venais voir les matchs de Ligue des Champions à Gérand. Bien sûr. Les oreilles ont coupé du côté de Saint-Étienne. Vous imaginez quand même qu'avec tout ça, j'avais Karim Benzema, on a le même agent. Sylvain Wiltord, on se connaît depuis des années. Et plein d'autres joueurs. Lamine Diatta, qui a joué aussi à Lyon, avec qui j'ai joué à Rennes. Donc oui, j'ai des. C'est comme ça. Ça devait y aller avec la gove, hein. Et moi, je suis naturel. Moi, je suis naturel. Il n'y a pas de. Ouais, ça, non, c'est vu. Lui, il joue à Lyon aujourd'hui, je te parle plus. Mais c'est quoi ces gamineries? Le clubisme. Non. C'est qui ton meilleur pote dans le foot?
ton meilleur pote de ton meilleur pote de ton meilleur pote dans le foot. Le meilleur. Le meilleur des meilleurs aujourd'hui ? Ouais, celui avec qui tu t'entends le mieux, là. Ton meilleur pote. J'ai pas de meilleur pote. J'en ai. Alors, il m'en reste. J'ai des amis. Il m'en reste. Des vrais amis, hein. Des vrais amis dans le foot. Il y a Karim Benzema avec qui je discute souvent. Ouais. D'Archeville. Ah, Jean-Claude. D'Archeville. Lamine Diatta. Ouais. Avec qui je discute encore énormément. Aleydine Yaya. Ouais, avec qui je discute aussi énormément aujourd'hui. Anthony Le Talec. Oui. Ah oui. Anthony Le Talec. Qui joue à Annecy. Qui joue à Annecy, ouais, exactement. Mm. Et puis voilà, après, je pense vers chez Ménon. Peut-être un ou deux. Exactement, chez moi. Le reste, c'est des potos. Voilà, on se suit sur Instagram, on discute, on machin. Mais de toute façon, Fred. Sur lesquels donc, je peux compter. Hereta et Longa aussi. C'est des gens sur lesquels je peux compter. Et Fred, Benzema, il t'a quand même fait un beau cadeau pour ce but en Ligue des Champions. Je pense que c'est ça aussi. De ouf. Ouais, grave. Et bah, tu sais quoi, pour le remercier, Benzema, tu peux lui dire qu'il y a une super émission qui est prête à le recevoir. Oh Fred, oh, ça c'est bon. Tu ça, peux nous gérer ça. Hein. Ça c'est du réseau ça, direct. Ça serait pas mal, mais je lui dirai à Coco. N'hésite pas. Mais... Bon, merci beaucoup en tout cas. Bah, merci, Fred Piquion. Merci du fond du cœur. Merci, Fredo. On se retrouve sur l'émission OL Live TV. Vous aurez un avant-match, une mi-temps et un débrief. Ça se déroulera dimanche. Vous en avez l'habitude. On se dit à ce week-end. Profitez en tout cas. Bah ouais, confinement. On reste chez nous. Mais voilà, le foot continue quand même. Merci beaucoup, les gones. Allez, merci à toute l'équipe. Cookie, Joe, Julien. À très bientôt, les gars. Fred, ciao, merci. Ciao. Ciao, les gars.